but the brother, the pastor, Pastor Kaniki. William. Donc, le titre c'était la venue du parfait. The title was the coming of the perfect. On a essayé un peu de montrer le parfait avec les citations de Frère Branham. We tried to show the perfect with Brother Branham quotations. Vous savez, moi j'ai toujours dit que dans cet âge, I always say in this age, prêcher la parole, preaching the word, c'est difficile. It's difficult. En même temps facile. At the same time easy. C'est difficile comment? How is it difficult? Si vous voulez fabriquer votre propre compréhension. If you want to make your own understanding. Là, ça devient difficile. That becomes difficult. Mais si vous venez simplement. But if you only come. Et vous croyez simplement ce que Frère Branham. And you only believe what Brother Branham said. Le fait qu'il répète ce que Branham a dit. Only repeat what Brother Branham said. Là, c'est facile. There it is. Donc si il y a un responsable. And if there's a responsible. C'est le Frère Branham. It's Brother Branham. Et Dieu a. Dieu savait que dans cet âge on devait avoir le PowerPoint. And God knew in this age we're going to have PowerPoint. Comme ça nous projetons les citations de Frère Branham. So that we can project Brother Branham quotations. Donc le Frère Branham lui-même il nous dit c'est quoi le parfait. Brother Branham himself telling us what perfect mean. Et le Frère Branham nous dit est-ce que le parfait est venu ou pas. And Brother Branham tells us if the perfect has come or not. On a montré avec le Frère Branham. We showed with Brother Branham. Le Frère Branham dit que le parfait. Brother Branham said the perfect. C'est lorsque la parole est ouverte. It's when the word is open. Et le Frère Branham dit, and Brother Branham dit, quand le parfait sera venu, and when the perfect will come, ce qui est passé doit disparaître. What is perfect must appear. Et le Frère Branham lui-même explique. And Brother Branham himself dit que Paul n'était pas un homme qui voulait rester au même endroit. He said that Paul wasn't a person that loved to stay in the same place. Mais aller dans les profondeurs de la parole. He wanted to go in the deepest of the world. Et le Frère Branham dit, and Brother Branham said, on va laisser les choses des enfants. We have to leave things to the children. Sortir comme des enfants. And jumping the children. Et toutes ces choses-là. All those things. Il dit, il faut aller dans la profondeur. See, we have to go in the deepest of the world. Le parfait est venu. The perfect is come. Qui est parfait? Brother Branham said, who's perfect? Il dit, c'est Dieu lui-même. He says, God himself. Et le Frère Branham dit que quand le parfait vient, the Brother said, when the perfect comes, ça nous rend parfait. It made us perfect. Et lui-même il dit, and himself vous faites des erreurs? Do you make mistakes? Il dit oui. He said yes. Mais et pourtant vous êtes déjà parfait. But at least you are already perfect. C'est à vous de dire amen ou pas. It's you to say. Il y a des gens qui disent que ah frère nous sommes des pécheurs. There are people who say father brother we are sinners. Mais moi j'ai dit. But me I comme say. Comme je suis debout là. As I'm standing moi, here. Me. Je suis parfait. I'm perfect. Sans tache. Without any ride. Ni rien de semblable. Amen. Le Frère Branham était clair dans cette situation. Brother Branham was clear with sans tâche. Without any rire. Cela ne veut pas dire que vous ne commettez plus de erreurs. That doesn't mean that you don't make mistakes. Parce qu'il y a des erreurs dans ce corps. Because mistakes in this body. Ça ne finira jamais. It will never finish. Jusqu'à ce qu'on entre dans la tombe. Until we go back to the tomb. Même le Frère Branham. Even Brother Branham. Commettez des erreurs. Made mistakes. Et pourtant il était un homme parfait. Why he was a perfect man. Donc si Jésus est parfait. If Jesus is perfect. Nous donne sa perfection. Give us his perfection. Et que nous restons des pécheurs. And we remain sinners. C'est comme si nous sommes en train de dire que Jésus nous a menti. It's meaning that it's like we are saying Jesus is lying to us. Amen. Donc, peu importe ce que vous avez commis comme des erreurs. No matter what mistakes you made. Vous êtes parfait. You are perfect. Dieu ne sauve qu'une seule fois. God only saves once. Les humains sauvent plusieurs fois. Men save many times. Quand tu as bonne relation avec lui. When you are good to relationship with him. Ah, ah, this is a good brother. That brother has always been. Il est sauvé. He saved. Une fois ça ne marche pas. Once it doesn't work. Oh, that brother. Il est du diable. From the devil. Regarde ce qu'il a fait. Look what he did. Il est du diable. He proved that he is from the devil. Quand tu seras en bonne relation avec lui. When you are good relationship with him. Il a fait. So brother. Donc il t'amène au ciel. So he takes you to heaven. Si tu commets une erreur, if you made a mistake, il te ressort du ciel. If he takes you as a pas, if you prove it, il t'amène. He takes you back. Ça c'est l'Église catholique. That's Catholic Church. Ça c'est le purgatoire. Là nous sommes des indulgences. Quand là où le pape dit que si vous achetez les livres, we are where the pope says if you buy it, si vous amenez un bon paquet de dîmes, if you bring a certain amount that tithe, le pasteur lui-même qui est devenu le pape, the pastor himself who is the pope, il vous amène au ciel, he will take you to heaven. Si vous arrêtez de mettre le paquet, if you stop bring that, il te sort du ciel, he will take you out of heaven, he will take you there. Amen. Nous sommes contents que la parole est venue. We are so happy that the word has come. Voilà pourquoi nous ne craignons personne. That's why we don't fear anybody. Quelle soit la grandeur de ton église. Ah, no matter how big your church is. Frère Branham dit, nous sommes tous au même level. We are all
Nous sommes tous dans le nouveau. Le royaume des échos. The kingdom of echoes. Il n'y a qu'une seule personne qui règne sur nous. There's only one person that reigns. C'est la parole. It's the word. À part la parole. No. Okay. Other than the word, there's no boss. Nous respectons. Nous respectons les uns et les autres. We respect one another. Il n'y a personne dessus de nous. There's no one above Adam. Donc voilà ce que nous avons montré là-bas. So this is what we showed. Et le dimanche passé, and last Sunday, c'était la dédicace de Frère Foster. It was the dedication at Brother Foster. Le Frère Foster a reçu la réponse à nos prières. Brother Foster had received an answer from our prayers. Amen. Moi j'ai toujours prié que. I always pray that. Qu'on nous laisse cet endroit un jour. That they should leave this place for us. Qu'on devienne nous-mêmes les gérants. That we come ourselves the managers of this place. Donc Frère Foster, Professor, il y a une salle là-bas comme ici là. C'est community center. Alors le concierge a abandonné. So the owner or the, has left. Le concierge lui dit bon moi en tout cas je ne veux plus faire le travail là. The caretaker, is it? Oui. The caretaker said that I'm not doing the job. Donc know? Si tu veux, if you want, toi tu prends la charge. You can take the responsibility. Tu deviens toi-même le concierge. You become yourself the caretaker. Si les gens veulent louer la salle, people want to hire the hall. Ils viendront à toi. They will come to you. Et toi-même tu vas entrer en contact avec le council. You will enter in contact with the council. Donc, tu vas faire toi-même des devis. You will do yourself the price. Give the price. Pour les travaux. For the works. Donc il est le responsable. He is the responsible. De cet endroit. Of that place. Donc on lui a donné le leasing pour 25 ans. They gave him a leasing for 25 years. Amen. Amen. Pour 25 ans, c'est lui le patron. For 25 years, it's him who is the boss. Il peut le faire louer à qui il veut. He can hire it from to anybody. C'est comme si on lui a simplement donné ça. It's like they only gave it to him. Amen. Amen. Donc c'était vraiment la joie. It was really a joy. Voilà pourquoi on a fait la dédicace. That's why we had a dedication. Donc nous avons un endroit à nous. We have a place for us. Si aujourd'hui nous avons une convention à Manchester. If we have a convention in Manchester. On n'a pas à louer les salles. We don't need to hire a hall. Donc on a déjà une salle. We already have a hall for donc, us. Avec un pasteur qui est venu du Cameroun. We were there with the pastor from Cameroon. Pasteur, il s'appelle comment Kanté, quelque chose comme ça. Kanté. Il nous a prêché là-bas. He preached us there. Nous étions aussi avec le pasteur Josué Kalala. We were with Pastor Joshua Kalala. Nous étions avec le pasteur Jean-Claude aussi. Pastor Jean-Claude was there as well. Il nous a apporté un très bon message. He was a very good message. Sur l'amour divin. On divine love. Amen. Amen. Il nous a donné la sagesse de Salomon. He gave us the wisdom of Solomon. Les deux femmes qui voulaient, qui s'est disputé de l'enfant. The two children that was fighting, two women that were fighting for alors, the child. Alors Salomon dit, on coupe l'enfant. And Solomon said, let's cut the baby in two. Mais la mère de l'enfant dit. But the mom of the child said, no, give him the child. Il dit, c'est la parole. He said, it's the word. Et les autres, ils veulent couper la parole. Someone, he said, other people want to divide the word. Même si moi, je ne peux pas vivre la parole. Even if I can't leave the word. Mais néanmoins, laissez la parole entière. Please leave the word whole. Petit à petit, je peux comprendre. Being by being, I will understand. Alors, tout celui qui veut séparer la parole. Everybody that wants to divide the word. N'est pas la mère de l'enfant. It's not the mom of the child. Mais la mère de l'enfant. But the mom of the child. Laisse la parole entière. The one who leaves the word. Même si elle ne comprend pas. Even if he doesn't understand it. Mais néanmoins. But at least. Elle laisse la parole entière. She leaves the word and whole. C'était une grande bénédiction. It was a great blessing for us. Amen. Donc, c'était une grande fête. It was a great feast for us. Voilà, le pasteur Jean-Claude est ici avec nous. And behold, Pastor Jean-Claude is here with us. C'est lui qui va nous apporter la parole. He's going to bring the word to us. Amen. Amen. Je suis content. Sœur Becky, que Dieu te bénisse. Mr. Benjamin, God bless you. C'est une joie quand je te vois. It's a joy when I see you. Amen. Et mes amis. And my friends. Amen. Nous allons chanter à la croix au pied du maître et je vais inviter le pasteur Jean-Claude. We're going to sing at the cross. You can sit there. And then I'll bring. And Brother Jean-Claude can come forward. Mami Rose, que Dieu le bénisse. Mami Rose, may God bless you. Amen. Amen. Alors, quoi, bien thank you.
Père céleste, tu es encore bon pour nous ce matin. Amen. Pendant que beaucoup de gens sont allés écouter des choses qui semblent à la parole de Dieu, tu es encore un peuple qui a reçu le vrai message, un message parfait, avec un prophète parfait. Amen. Qui doit produire une épouse parfaite. Yes. Et nous sommes ici pour écouter ce message parfait. Nous n'avons pas besoin d'écouter un homme. Nous voulons que le prophète nous parle. Que ta grâce soit encore avec nous ce matin, Seigneur. Car nous croyons que tu nous as aimés à ce temps du soir. Combien de gens peuvent réaliser que Dieu a visité ce monde à ce temps du soir? Nous bénissons encore ton nom, nous t'élèvons et nous te disons merci. Amen. Puisque tu es miséricordieux avec ton peuple. Comme on t'a dénoué, tu as encore prévu une arche dans laquelle ceux qui peuvent entrer et accepter la prédication du prophète de l'heure peuvent vivre l'éternité. Merci. Sois encore avec nous ce matin. Ferme ma bouche. Que toi tu parles. Accorde-nous ta présence. Car nous avons besoin de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Comme le pasteur disait. Mais je passe à celle. L'autre dimanche, le frère Faustin nous a invités. La Sunday of Brother Faustin invited us. Pour moi, j'habite là-bas à Liverpool. As I live there in Liverpool. J'avais seulement 40 minutes à conduire pour que j'aille à l'église. I only had 40 minutes to drive to the church of Brother Faustin. Là, il y avait beaucoup de frères. There was a lot of brothers. On a rencontré le pasteur qui venait de l'Afrique. We met pastor from Africa. On a une très belle expérience. We had a very good experience. Et je vais parler sur l'amour divin. I spoke of divine love. Et le pasteur a dit, mais pourquoi tu ne peux pas le prêcher chez nous si tu veux? And pastor said, why don't you preach it to us when you come? Comme ça, on va continuer. Now we want to continue. Et on va terminer. And we want to finish it. Mais ce matin, but this morning, je vais un peu parler sur aimer le Dieu que vous voyez. I want to speak of love the God that you see. Le Dieu que vous voyez. The God that you see. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu qu'ils ne voient pas. And there's a lot of people that love a God that they don't see. Et le prophète nous dit aimer celui que vous voyez. And the prophet said love the one that you see. Celui-là. That's the one. C'est un homme. It's not just a man. Mais le Dieu que vous voyez. But the God that you see. Amen. 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 C'est ce que nous allons voir ce matin. It's what we're gonna have this morning. Si nous pouvons prendre la Bible. Nous prenons 1 Jean 4. We want to take 1 John 4. Le verset 7 jusqu'au verset 13. Verse 7 to verse 13. Vous savez, le frère Madame disait non, papa, non, mais je sais. Que mon livre favori dans la Bible c'était Jean. My favorite book in the Bible it was John. Qui a déjà lu ça? Who has already read it? Et il disait que Jean parlait toujours de l'amour. He said John always speak of love. 1 Jean 4, verset 7 jusqu'à 13. 1 John 4, verse 7 to 13. La Bible dit. The Bible said. Bien aimé. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Behold, beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone that love is born of God and not God. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. He that loves not knoweth not God, for God is love. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. And in this was manifested the love of God toward us because that God sent his only begotten Son into the world
that we might live through him. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils Amen. Comme victime expiatoire pour nos péchés. Here we love, not that we love God, but that he loved us and sent his Son to be a propitiation for our sins. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous. Amen. Et son amour est parfait en nous. Amen. No man had seen God at any time. If we love one another, God dwells in us and his love is perfect in us. Nous connaissons que nous demeurons à lui et qu'il demeure à nous parce qu'il nous a donné son esprit. Hereby know we that we dwell in him and he in us because he has given us of his spirit. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Amen. We may be seated. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. May God bless the reading of the word. Amen. 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 Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est toi que je veux vous montrer l'amour, car vous le connaissez, tout le monde connaît l'amour. I'm not going to show you about love, because everyone knows love. Simplement vous rappeler votre position. Just to remind your position. Puisque ça, because that, nous savons que c'est la statue d'un homme parfait. We know that's the statue of a perfect man. En réalité, ça c'est toi. In reality, this is you. Amen. Amen. Ça c'est un homme. This is a man. C'est ça le titre de la prédication. That's the title of the preaching. La statue d'un homme parfait. The statue of Hallelujah. A perfect man. Comme le pasteur le disait. As the pastor was saying. Nous avons reçu un message parfait. We have received a perfect message. Un prophète parfait. A perfect prophet. Et ce message doit produire des hommes parfaits. And this message has to produce perfect people. C'est pourquoi le frère Branham a prêché la statue d'un homme parfait. That's why Branham preached the statue of a perfect man. Si Dieu savait que personne ne peut être parfait. If God knew no one could be perfect. Il ne pouvait pas dire que soyez parfait. He wouldn't say let's not be perfect. Amen. 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 Et dans la statue de l'homme parfait. In the statue of a perfect man. Pierre nous dit que faites votre effort de joindre à la foi à la vertu. Paul said, do your best to join from your faith, virtue. Toi, tu fais l'effort. You do your best. Mais il y a une chose que toi tu ne feras pas l'effort. There's one thing that you won't do. Your effort, you won't put your effort. No? Ça, c'est l'amour. That's Amen. Ça, ce n'est pas ton effort. That's Amen. Not your effort. Amen. Amen. Donc ça, tu dois le faire toi-même. Then those ones you have to do it yourself. Et vous voyez que l'amour fraternel. You see, brotherly kindness. Est différent de l'amour. Is different from love. Et nous avons dit que we say that beaucoup de gens ont essayé d'expliquer l'amour. But so many people try to explain love. Le frère Branham dit la raison pour laquelle personne n'a expliqué l'amour. Branham said the reason why no one explained love. Puisque l'amour c'est Dieu. Because love is God. Amen. Donc, tu ne peux pas expliquer Dieu. You cannot explain God. C'est pourquoi. That's why. Même Paul. Even Paul. Il dit l'amour est patient. He said love is patient. Jésus est ceci. Love is this. Il donne les adjectifs, tout ce qui est autour de l'amour, l'attribut, les attributs de l'amour. He just give attributes of love. Mais il ne vous dit pas qu'est-ce que l'amour. But he doesn't tell you what love is. Et nous avons dit que Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour lui-même. We don't say we say that God doesn't have love. Ça c'est l'attribut de Dieu. That's the attribute of God. C'est-à-dire que si toi tu es Dieu, he says, if you are God, cet attribut là est en toi aussi. Amen. That attribute is in you Amen. As well. Puisque so, si tu as une partie de Dieu en toi, if you have a part of God in you, tout ce que Dieu peut faire, toi aussi tu peux le faire. Everything that God yes. can do, you can do it as well. Amen. N'est-ce pas? Isn't it? Ah. Yes. Donc Dieu, God, il vient habiter dans un homme. He comes and lives in a man. Ça pourquoi? Because quand Dieu a créé l'homme, because when God created man, quand il a créé Adam, when he created Adam, Adam avait le pouvoir de faire n'importe quoi. Adam had the power to do whatsoever. Il déplaçait le vent. He moved. Il pouvait dire vent passe de ce côté ici. He said wind go the other side. Et il avait tout ça. He had all of that. Et quand il a douté à la parole, when he doubted on the word, alors ce pouvoir l'a quitté. So that power left him.
Or, Adam, son père, sa mère, son oncle, tout ce qu'il avait, c'était Dieu. Adam, his father, his uncle, everything was God. Alors il a perdu tout ça. So he lost all of them. Et pour que Adam revienne dans sa position originale. For Adam to come back to your original position. Il fallait que son père en terre vienne mourir pour lui à la croix. His new father had to come and die at the cross. Et lui remettre. And give him back tout ce qu'il avait perdu. All that he lost it. Alors, depuis ce temps-là, so, since that time, que ce soit tous ces gens, Daniel, Esaïe, Jérémie, tous ils mouraient. Whether it was Daniel, Jeremiah, or everyone died. Et après le diable le prenait le and the devil took him and put him aside. Jusqu'à ce que Dieu s'est fait encore. Up until God made the burden. Il est venu sur la terre. He came on earth. Il a arrêté le vent. He stopped the wind. Il faisait tout ce qu'Adam faisait. He did everything that Adam did. Le but de Jésus c'était quoi? The purpose of Jesus, what was it? Vous montrer que ce que moi Jésus je fais, vous aussi vous pouvez le faire. To show that everything that I do, you also can do it. Tout ce que moi je suis, ce que je suis en train de faire. What I'm doing here. Arrêter la tempête. Stopping the tout ce que je fais, vous aussi. So you can do it as well. Vous allez aussi le faire. You will do it. Je suis venu pour vous le restituer. I'm here to give it to you. Amen. Amen. Ah, c'est pourquoi. That's why. Même aujourd'hui. Even today. Vous voyez le frère Branham donner la vie aux poissons. You see, arrêter la tempête. Stopping the storm. C'est-à-dire que Dieu est venu restituer tout ce qu'Adam a fait. God came to give back everything that Adam lost. Et tu dois l'accepter. And you have to accept it. Si tu dis que non, moi je suis pécheur. If you say I'm a sinner. Et cela sera fait selon ce que tu as trouvé. Amen. It will be according to what you believe. Puisque pour Dieu tout est basé sur la foi. Because for God everything is based on faith. Amen. Amen. Oh. Alors, c'est Dieu que nous ne voyons pas. So this God that we don't really il see. Il est représenté par un Dieu que nous voyons. Is represented by a God that we see. Et dans la Bible, in the Bible, cet homme qui n'était pas rancunier, this man who was not rancunier, qui n'avait pas de rancune, he didn't have enemies, let's say, qui a vécu l'amour, who lived love, c'était Joseph. It was Joseph. Et Joseph. And Joseph. On a fait du mal. They did wrong. Mais quand ses frères viennent, but when his brothers il dit ne vous faites pas de problème. He said, don't have a problem. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici. It's God who wanted me to be like that. Peut-être que si c'était moi ce jour-là, because if it was me on that day, je ferais ce que le pasteur a dit. I would have done what the pastor said. Alors je te prends, je t'amène au ciel. I will take you. Après je t'envoie en enfer. And I send you back après, to hell. Je te prends. And I take you back. Tout cela. All of that. Moi j'aime beaucoup Joseph. I love Joseph. Tu sais plusieurs fois quand je venais ici, so every time when I came, je prêchais beaucoup sur Joseph. I was preaching more about Joseph. Vous le savez, non? And you know it. Non, je prêchais beaucoup sur Joseph. I used to love preaching. Puisqu'il est un très bon type du Seigneur Jésus. Because he's a perfect type of the Lord Jesus. Et nous voyons Jésus à la croix. And we see Jesus at the cross. Ceux qui sont en train de les tuer. Those who are killing him. Il dit Père, pardonne-leur. Say Father, forgive them. Amen. Amen. Quand nous disons que nous voulons être comme Jésus. And when we say that we want to be as Jesus. Nous prenons ce que nous voulons. We take whatever we want. Et cette partie-là, nous ne la voulons pas. And that part we don't want it. Non, nous devons tout prendre. No, we have to take everything. Amen. Amen. Pour que toi tu sois un homme parfait, for you to be a perfect man, tu dois avoir tout ça jusqu'à la fin. You have to have all of that all the way to the end. Là tu es un homme complet. Then you are a complete man. C'est pourquoi la Bible dit, that's what the Bible fais says, un effort. Do your best. Fais un effort. Do an effort. Après, si Dieu est en toi, if God is in you, tout ce que Dieu peut vivre, all that God can live, toi aussi tu vas le vivre. You amen. Also will live. Tu ne vas pas faire un effort pour aimer quelqu'un. You won't do an effort to love somebody. Amen. Puisque aimer Dieu, because to love God, tout le monde peut dire qu'il aime Dieu. Everyone says they love God. Même le pape. Even the pope. D'ailleurs, le Papa, le Caritas, une organisation qui donne l'argent à tout le monde. The Pope has a charity to give money. Là, maintenant nous, on ne peut pas aller au Sud-Soudan, mais le Pape est toujours là avec nous. We cannot go to South Sudan, but the Pope is there.
Et le frère Branham dit que si nous avons le problème dans ce monde, c'est le plus qu'il manque l'amour. The prophet said, if we have problem in this world, it's because we lack love. C'est un grand problème aujourd'hui. It's a great problem today. Comme c'était du temps de Jésus quand on discutait beaucoup sur l'adoration. As it was the time of Jesus when we argued about worship. Et vous savez que cette femme-là, la femme samaritaine, you know, the Samaritan quand elle se rencontre avec le Seigneur, when he met the Lord, la première remarque qu'elle fait au Seigneur Jésus, c'était l'adoration. The first rumor, or the first note that he made on Jesus, it was the worship. Et vous dites l'adoration à Jérusalem. Nous vous disons à la montagne. You say the worship in Jerusalem. We say at the mountain. Et qui a raison? Who's right? Et le Seigneur Jésus lui dit, and the Lord Jesus told him, ni à Jérusalem, ni à la montagne. Or in the mountain. Amen. Elle était confuse. She was confused. Mais toi qui tu es? He said, but who are you? Et après il a réalisé, and then he realized, que c'était son vrai mari. It was his true mother. Son sauveur. His sister. Et il était là pour lui. And he was there for him. For amen. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. It's the same thing today. Et nous avons ces problèmes dans nos églises. We have this problem in our church. Dans nos vies à la maison. In our lives at home. Et aujourd'hui, quand il y a des guerres, today when there's war, c'est à cause de ça. It's because of that. Et le prophète nous dit, the prophet said, que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton frère. You cannot love the God that you do not see without loving your brother. Amen. Amen. Alors cet amour-là, that love, c'est ce qui est parfait en vous. It's what's perfect in you. Nous allons, je n'ai pas lu de ces questions là-bas, je vais les lire quand même, si vous allez les trouver. I'm gonna read it here, you je vais prendre, quand l'amour s'élance, I will take when love is projected, oui, au paragraphe 6, in paragraph 6, le frère Branham dit ceci, Branham says this, quand l'amour s'élance, il a prêché ça le 27, non, 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 c'est le 6 août 57. Le 6 August 57. Quand l'amour s'élance, paragraphe 6. Attendons le frère qui trouve en anglais. Moi je vais en français. Oui. Le frère Branham dit ceci. Branham says this. Maintenant l'amour a deux significations différentes. Now love is in two different words. Avec deux mots différents pour l'exprimer. Two different meanings. En grec, une sorte d'amour est appelée philéo. In the Greek, one of them is called philo. C'est l'amour naturel que vous pouvez avoir pour votre femme. That's the love that you have for your wife. Pour vos enfants. For your children. Mais l'amour à la parole veut dire amour divin. Agapao is the love, divine love. Bien, l'amour que vous avez pour votre femme et l'amour pour Dieu sont opposés l'un à l'autre. Now the love that you have for your wife and the love of God is so contrary. Ils sont opposés. They are contrary. Opposés, ça signifie que ils ne sont pas la même chose. C'est-à-dire que toi, tu es de l'autre côté, moi, je suis de l'autre côté. Means you are the other side, I'm the other side. Donc, l'amour philéo, l'amour agapao. Philo love and agapao. Il dit, ils sont opposés. He said they are opposed. Écoutez simplement ceci. L'amour que vous avez pour votre femme, si un homme l'insultait, vous les tueriez immédiatement avec cette sorte d'amour philéo. The love that you have for your wife, if a man will insult her, you will kill him on the spot. Mais, that kind of love. Mais avec l'amour agapao, l'amour divin, vous allez prier pour l'âme perdue de cet homme. Voilà la différence. But with agapao love, you will pray for his lost soul. That will be the difference. Amen. Amen. Il dit, il y a deux sortes d'amour et je suis presque sûr que beaucoup d'entre vous ne se sont pas trompés ayant l'amour philéo, pensant que c'était l'amour agapao. There is two different types of love, and I'm almost sure that many of us has been deceived with philo love and thinking it's agapao love. L'amour philéo est intellectuel, et tandis que l'amour agapao vient du cœur. Philo love is intellectual. Agapao love comes from the heart. C'est l'amour humain, l'amour affectif, l'amour et l'amour divin. That's human love, affectionately love and godly love. L'amour agapao ne se pose pas de questions. Godly love doesn't question. L'amour humain raisonne toujours. Human love reasons. L'amour divin ne le fait jamais.
But godly love doesn't. Il est parfait dans sa confiance. It's perfect in his trust. C'est parfait. It's perfect. Cela produit simplement la foi. It just produces faith. Lorsque vous aimez réellement. When you really love. Amen. 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 Quelquefois, sometimes. Le frère Branham dit que nous nous trompons. Branham said we deceive ourselves. J'ai l'amour philéo. I have philo love. Je crois que j'ai l'amour agapao. I think I have. Il dit que l'amour agapao est parfait. They say agapo love is perfect. C'est ce qui te rend parfait. It's what makes you perfect. C'est pourquoi nous disons la statue d'un homme parfait. That's why we call it the statue of a perfect man. Quand tu as ce genre d'amour là, when you have that kind of love, c'est-à-dire que quand le prophète dit, it means when the prophet si says, si un homme vient toucher à ta famille, if someone come and touch your family, au lieu de faire la guerre, instead of doing a war, mais tu vas prier pour la personne. You pray for the person. Mais je crois que ce n'est pas facile. But I know it's not easy. Mais tu dois arriver à cela. But you have to get to that level. Amen. Amen. Car nous avons reçu toute la parole. Because we have received the whole word. Pour que ces choses soient vraies dans nos vies. For these things to be true in our life. Et le messager nous dit. And the messenger says que dans l'amour agapao, that in agapao love, il y a aussi l'amour philéo. There's also philo love. Mais dans l'amour philéo, that in philo love, il n'y a pas l'amour agapao. There's no agapao love. C'est comme le vaccin. It's like vaccination. Vous savez, dans le vaccin, you know, in a vaccine, il y a une dose de maladie. There's a small portion of disease. Mais dans la maladie, il n'y a pas de vaccin. But in the sickness, there's no vaccine. Amen. Amen. Il n'y en a pas. There's no. Mais dans l'amour agapao, but in the agapao, donc tu englobes tout ce qu'il y a. Même des difficiles. Everything is included, even difficult. Un homme normal, a normal person, qui n'a pas Dieu en lui, that doesn't have God, ne vivra jamais cet amour. Will never live that love. Amen. 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 Tu ne le vivras jamais. You cannot live it. Il faut que tu sois Dieu. You have to be God. Il faut que Dieu soit en toi. God has to be in you. Pour que tu puisses le vivre. For you to live. Car c'est un attribut. Because it's an attribute. Donc personne ne peut te le donner. No one can give it to you. Tu ne peux pas aller à la maison. You cannot go home. Je veux tout faire. You say I will do pour avoir l'amour. To have agapao. Tu ne l'auras jamais. You will never have it. Donc ça doit être un attribut. It has to be an attribute. Puisque Dieu habite en toi. Because God lives in you. Amen. 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 Car c'est un attribut de Dieu. Because it is an attribute of God. Pourquoi tu dois en avoir? Why do moi, you je crois have que un homme qui croit au message doit en avoir. I believe that men that believe in the message, has to have that law. Pourquoi? Why? Puisque reconnaître même que Branham c'est un prophète de Dieu, il faut que tu sois un élu. Even to recognize that Branham is a prophet, you have to be an elected. Puisque ce message n'est pas venu chercher tout le monde. It didn't come to look for everyone. Ce message est venu message chercher les gens que Dieu a sauvés, qu'il connaissait avant la fondation. It's come to save people that God knew from before the foundation. Tu reconnais ta position. When you recognize your position. Ici, here, nous venons seulement pour vous dire. You just come and quelle est votre position? What's your position? Le pasteur. The pastor. Ni moi, je ne peux prétendre. I cannot pretend. Prendre un homme qui était pécheur. To take a man that was a sinner. Qu'il devienne saint. No. Become a saint. Moi, a saint. Je ne le ferai jamais. I cannot do it. Ça, c'est Dieu qui doit le faire. That's God who has to do it. Amen. Amen. La Bible dit, c'est vrai que Jésus est venu, il est mort à la croix, mais en réalité le prophète nous dit, il est mort pour ceux que Dieu a connus avant la fondation du monde. Il y a des gens, il y a des gens, et le pape, comment il s'appelle, le pape François, le pape François, tu peux tout faire, can do all the things. Il ne deviendra jamais chrétien. Pourquoi? Il est dans la prophétie, la bête, le fils. Amen. C'est, il est là. He's there. Donc tu ne peux pas le transformer. You cannot transform him. Ceux qui sont transformés, those who are transformed, ce sont ceux qui étaient dans la pensée de Dieu. Before the foundation of the world, in the mind of God. C'est pourquoi quand nous voyons ces messages, nous les reconnaissons. Nous disons ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pourquoi? Why? Puisque tu étais là-bas. Because you were here. Amen. Maintenant tu te rappelles. Now you remember. Il dit non, ça c'est la vérité. C'est non, c'est sûr. Le frère Branham donne une très bonne citation après. Nous allons le voir. Nous aussi. Et puis quand tu es parfait, when you are perfect, tu as les attributs de Dieu. You have attributes of God. Dieu, tu es pardon. Toi-même, tu es pardon. You are pardon. You are pardon.
Garde l'esprit de Dieu en toi. Oui, l'esprit de Dieu. C'est même si quelqu'un venait contre toi. Il dit ce frère-là. Quand tu vois un homme rancunier. When you see an angry man. Ça, c'est une nature. It's a nature. Dieu aussi c'est une nature. God also is a nature. Amen. 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 Comment Jésus pouvait vivre? How can Jesus live? Avec Judas. With Judas. Sachant qu'un jour il va les trahir. Knowing that one day he will deceive him. Mais il appelle mon ami. But he called him my friend. Et il est même, il était l'administrateur de l'église du Seigneur. He was the treasurer of the church of the Lord. Quand l'argent n'était pas là. Quand l'argent s'est terminé dans la caisse, when mine was finished, il disait à son Seigneur Jésus, est-ce qu'il n'y a pas de réunion maintenant? Seigneur, fais un peu de réunion. Il y a des armes ici. There are souls here. En réalité, il ne voulait pas des armes. No. Il cherchait quelque chose d'autre. Dès qu'on commence à chanter, when we start singing, il dit, Pierre, attends, a bit away. Offrande. Il fallait 4000, 5000 et il savait. Oui. Aujourd'hui, ils sont 4000. Offrant. Il prenait, donner au Seigneur. Give to the Lord. Donner au Seigneur. Give to the Lord. Il devait dire donner à Judas. Puisque les jours où Jésus pouvait payer l'impôt, il n'y avait pas l'argent. Le don de Jésus, le don de Jésus, on se passe sur le don de Christ. La caisse est vide. Jésus dit si j'ai tous ces hommes, il va faire des problèmes. Pierre va prendre l'argent dans le poisson. C'est vrai. L'argent n'était pas là. Lui, il venait pour ça. Ça, ce sont des Géasis. Vas-y, frère. Il said there was no money. And he had no money when Jesus wanted to pay the taxes. So he had to send Peter to go look for the money inside the fish because there was no money. Mais toutes les réunions qu'on faisait, on dit Judas, où est l'argent? C'est facile. Every meeting that we had, we ask Judas, where's the money? You get angry because he was the one keeping the money. Est-ce que les juristes ont fait des réunions? Les juristes ont fait des réunions. Did we have a meeting? Argent. Money. Combien de Judas sont ici? Combien de Judas sont ici? Combien? Dans le message. In the message. Combien? How many? Le frère Branham dit. Branham said. Ça, j'aime beaucoup cette citation. Alors, this tradition. Il dit que. He says that. Il dit que vous ne pouvez pas vivre. He said you cannot live. À cause du message. Because of the message. D'une vie que vous ne pouviez pas vivre sans message. In the life that you cannot live without a message. Ça dit que sans le message. It means without the message. Vous ne pouviez pas avoir une banque. You cannot have a bank. De belles voitures. Mais tu as là maintenant. But you have it now. À cause du message. Because of the message. Vous savez combien de gens. You know how many people. Vont répondre devant Dieu. We have to answer. Vous savez combien. Tout ce que nous voyons de grand. Anything that we see of great. Peut-être devant Dieu c'est pas. Maybe before God is not great. Frère. Servez le Seigneur. Serve the Lord. Dans la simplicité. In simplicity. Dans la façon dont il vous conduit. In the way that he leads you. Ne suivez pas les foules. Don't follow the ne suivez people. Pas les gens. Don't follow people. Suivez le message. Follow the message. Et suivez le message. And follow the message. Amen. 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 Ah, chacun quand il vient dans le message, il cherche quelque chose. Every person that comes in the message, they are looking for something. Vous n'êtes pas venu chercher l'argent. You didn't come to look for money. J'ai parlé avec une sœur l'autre fois. I was talking with a sister in Kinshasa. Je lui dis, dis-moi la vérité. I tell her, I ask her, tell me the truth. Tous mes frères et sœurs qui viennent à l'église, ils viennent pour ce qu'ils aiment Dieu. All my brothers and sisters, that means I come to Dieu. Quelqu'un vient parce qu'il a besoin d'un enfant. Some come because they want. L'autre vient pour trouver le travail. Some to look for work. Un autre là. Another one. Il vient parce que le pasteur a dit, nous allons prier, nous allons gérer une semaine pour le travail. Another one come because the pastor said. Et comme ça, les gens viennent à l'église. That's how people come to church. Amen. Amen. Je veux que tu viennes ici en Europe. I want you to come here in Europe.
que tu ailles à l'église. You go to church. Que tu serves le Seigneur. Let's serve the Lord. Ils disent que vous, et là Dieu n'est pas là. C'est ton frère qui me disait. Il dit, vous en Europe, le Dieu là, il est un Dieu comme ça. Le Dieu c'est ici au Congo. Il dit, un frère told me, there in Europe, the God is not there, the God is here in Congo. Frère, est-ce que tu lis le message? I said, brother, il dit oui. Yes. Le frère Adam dit le noir. The brother said the laws. Le noir. Ah, the blacks, the blacks. Ben, c'est eux seulement qui. It's them who have. Moi je dis, tu connais la vision de l'épouse. You know the vision of the bride. Quand le frère Branham a eu la vision. When Branham had a vision. Et dit oui. He said yes. Qu'est-ce que le frère Branham raconte? What does he say? Chaque nation représentée. Amen. See, every nation was represented. Amen. Chaque nation. Every nation. Il n'a pas dit que au Congo ils étaient 5000. He didn't say in Congo they were 5000. En Europe ils sont 2000. In 2000 Europe. Chaque nation. He said every nation was represented. Ils étaient là devant Dieu, ils défilaient. God, marching. Ça, c'est le prophète. That's the prophet. Ça, c'est la bouche autorisée. That's the authorized mouth. Celui-ci, c'est celui que nous devons écouter à ce temps. Ah, this was the one that was supposed to listen in this time. Oh, glory. Quand Dieu lui montre que dans chaque nation, je suis choisi un peuple, chosen people. Toi, tu vas me dire to que me. Dieu est seulement là-bas. Tu commences à limiter Dieu. You start to limit God. Amen. Comment il va juger toutes les nations? How is he going to judge the quand whole la Bible dit, when the Bible le saint jugera le monde, the whole, the saint will judge the world. Et c'est maintenant que vous le jugez. It's now that you're judging. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Ah, vous jugez. You're judging. Vous voyez que Dieu pour juger Mitoki, il a besoin de qui? For God to judge Mitoki, ah, c'est vous. Amen. C'est les gens vont dire, moi j'étais à Mitoki. Il ne fait pas de travail. Je ne pouvais pas. According. Il va appeler quelqu'un de et celui-ci aussi était à Mitoki. Et il commence à te dire, moi j'étais ceci. Moi, pour toi c'est fini. For you it's finished. Dieu ne va pas te juger pour quelque chose que tu vas lui dire. Dieu, je ne savais pas. C'était impossible. I didn't know it was impossible. Mais il a des gens là-bas. But there are people there. C'est vous qui jugez les morts. It's you who judge the world. Amen. Qui va encore le juger? Who else will judge the world? Amen. Amen. Alors, Dieu est esprit. God is spirit. Mais Dieu est aussi chair. But God is also flesh. Remarquez. Notice. Un homme. Amen. Le frère Adam nous dit. But what does he tell us? Qu'il a, il y avait un chef indien. There was an Indian chief. Qui s'est converti? Who was converted? Et il est venu dire à frère Adam. Il dit frère Adam, depuis que moi je suis converti. Since I was converted. Il y a deux chiens. There are two dogs in me. Le chien blanc et le chien noir. A white dog and a black dog. Ils se font la guerre. He said they fight, they have war. Le frère Branham demande quel est le chien qui gagne pendant qu'ils se font la guerre. And Branham asks which of the dog wins when they're fighting. Il dit le chien que j'ai nourri beaucoup. He said the dog that I feed a lot. Vous voyez? See? Le deux natures. The two natures. Sont toujours à nous. Amen. En tant qu'homme. As a man. Tu as une grande bataille. You have a great battle. Comme le frère me dit toujours. As the brother il dit mon ennemi c'est Eric. He said my enemy is Eric. Amen. Mais. He said but. À l'intérieur, but inside, il y a l'homme que Dieu a sauvé. There are men that God saved. L'homme, amen. Man, qui était créé, who was created, dans Genèse, c'est lui là. Quand on dit Dieu créa l'homme à son image, c'est lui là. Ceci, this one, c'est Genèse 2. C'est ça c'est la terre. This one. Mais le c'est celui de Genèse 1. Il a pris cet homme. Il a mis ici dedans. Quand vous parlez de l'enlèvement, quand vous parlez de, du salut, je ne parle pas de ça. Je parle de l'enlèvement. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça, c'est la poussière. Tu es poussière. Tu vas retourner. Amen. Je parle de l'homme intérieur. C'est celui-là pour lequel je suis mort à la croix. Ça, ça c'est l'animal. This one is an animal. Ça c'est poussière. It's dust. This one. Ça, ça n'héritera pas le sang. My mind. Ça c'est un sorcier.
Est-ce que vous le croyez? Amen. Oui, oui, oui. C'est vrai. Yes, sir. Et les gens, ils sont là à passer du temps pour ça. Tu vas travailler 12 heures. You work 12 hours. Pour ça. For this. Et combien de temps tu travailles pour ton âme? To work for your soul. Pour l'homme intérieur. Combien de temps? How many tu n'as pas le temps. You have no time. La prière. Prayer. 5 minutes. 5 minutes. Mais cet homme ici, il aime le bel voiture. Love nice cars. De vrais sapins. Nice cars. Le frère du blanc. Best white clothes. Doit être pour l'homme intérieur. Hein? Hier, on parlait avec le frère. Yes, qu'il y avait un frondeur au ciel. That there was a. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jésus est entré, il entre dans la salle des noces. Jesus enter in the room. Il trouve un jeune homme. He saw him. Au ciel, il n'est pas dans l'uniforme. He was in the uniform. Yo, côté à la vie. Frère, si on peut frauder pour aller au ciel. Comment on peut pas frauder les trains? Cet homme ici, je ne sais pas comment il a fait. I don't know how he did it. Puisque le ange, ils sont là. Comment il a trompé la vigilance des anges? Light the angels need to get to heaven. Pour entrer là-bas, vraiment, jusqu'à ce que Jésus lui-même. Up until Jesus himself. C'est ça. Les gens font des déclarations. People make declarations. Moi, je suis du ciel. I'm from heaven. Moi, je suis ceci. Moi, je vais aller là-bas. I'm going there. Ne suivez pas les déclarations. Don't follow the declarations. Car celui qui vous connaît bien, the one who knows you well, c'est Dieu. It's God. Vous savez que vous-même, vous ne vous connaissez pas bien. You don't even know yourself. C'est que toi, tu seras de moi, tu ne sais pas. What you know, huh? C'est ce que tu seras demain. What you mean tomorrow? Tu ne le sais pas. You don't know it. Mais Dieu te connaît très bien. But God knows you very well. Avec tes erreurs. Avec tout ce que tu es. With what you are. Dieu a décidé. God decided. De te sauver. To save you. Lui, Jésus. Parole de l'Éternel. The word of the Lord. Je jure par moi-même. Oh, I swear by myself. Puisqu'au-dessus de lui, il n'y a plus personne. Il dit, je jure. Yes, say, I swear. Abraham. Abraham. Je te bénis. I bless you. Avec ta descendance. With your descendant. Toi dedans. You inside. Amen. 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 Ça. Tu ne peux pas enlever ça. Même si tu m'envoies un enfer, ma nature, tu ne vas pas enlever ça. Amen. Comment tu vas enlever? How you gonna take it off? Avant de me tuer, before killing me, tu dois passer par Jésus. You have to go through Jesus. Comme Moïse disait à Dieu, Moses said to God, toi, mon Seigneur, my Lord, avant de tuer ces gens, before killing these people, tu passes par moi. How to me? Moi d'abord. Me first. Ça c'était Jésus. That was Jesus. Alors tu dois d'abord vaincre Jésus. You have to overcome Jesus. Après tu vas me vaincre. And then you have to overcome me. Tu vas dire, toi tu as fait ceci. Say, you d'ailleurs, on m'a dit, toi tu as fait ceci. Ça ne me dit rien. That doesn't say anything to me. Ça ce sont les hommes qui le disent. That's men. Je veux écouter ce que Dieu a dit de moi. I want to hear what God said of me. Amen. C'est pourquoi cette nature de Dieu, that's why that nature of God, la nature divine, the nature in you, tu es Dieu dans la chair, you are the God in the flesh, et tu dois aimer celui-là, and you have to love that. Vous savez God. Que les gens sont sauvés, il y a des gens qui sont sauvés. You know that people who are saved, puisqu'ils t'ont donné un verre d'eau, because they only gave you a glass of water. Imagine-toi. Imagine that. Amen. Un homme, amen. Il a la vie éternelle. And has eternal life. Puisqu'il a bien traité un fils de Dieu. Because he treated well a child of God. Tu, c'est à qui donne la vie maintenant? Who gives life now? C'est pas toi. Is it not you? Hey, c'est toi qui donne la vie. Amen. Tu donnes la vie aux hommes. Yes, now to others. Tu vas dire, c'est Dieu qui donne la vie. Mais Dieu a dit que c'est nous. Gives life. God saves us.
Dieu, nous donnons la vie aujourd'hui. Si j'ai pitié de toi, je te le donne. I'll give it to you. Ah, non, on fait ça. C'est ça. C'est quoi mon travail? C'est la réponse. Moi, je travaille avec une compagnie aérienne. I work with a freight company. Alors, si tu as raté un vol, I work with an airline company. If you miss a plane, ou bien si on a annulé un vol, if they cancel a plane flight, nous devons te payer. We have to pay you. Et cela dépend de là où tu allais. It depends where you were going. Mais, but même si toi tu n'as pas droit, even if you have no right, moi, me, je peux décider de te donner l'argent. I can decide to give you the money. Mm. Quand je décide, when I decide, je dis cet homme ici, comme il a souffert, il avait la famille. Moi, je lui donne 500 euros. I'll give you 500 euros. Lufthansa dit amen. Lufthansa will say amen. Amen. C'est comme ça que tu fais. Amen. That's how God works. Parfait. Tu sais avec la sœur Attila. You know with sister Attila, right? Il n'a pas dit. He didn't say. Dieu va te donner. Oh. Il dit non. He said no. Toi demande ici. Ask here. Moi je vais te donner moi. Ici. Demande. Ask. Si tu veux l'argent. If you want money. Pas le Dieu que tu ne vois pas. Not the God. Mais le Dieu que toi tu vois. Je vais te donner ce que tu demandes. Si tu veux que tes parents redeviennent jeunes ici, want your parents to become young, il y a ta sœur Edith là-bas. Si tu veux qu'elle se mette ici, maintenant, je veux le faire. I'll do it. Il regarde, you know, vous savez que, you know, chaque fois dans la Bible, every time in the Bible, quand Dieu donnait la parole à l'homme, when God gave the word to a man, ces gens-là, those men, ils étaient des élus. They were elected. Ils n'ont jamais demandé une chose matérielle. They never asked for material things. Ils demandent les choses éternelles. They always ask eternal things. Il dit mes deux fils. He said my two sons. En 2008, in 2008, quand j'étais aux États-Unis, when I was in the States, j'ai dit mon frère Carl, I said, I told my brother, allons chercher le fils de Attila. Well, let's go and find the sons of Attila. Il dit mais non. He said no. Ils sont déjà. They are. Ils sont dans le monde. They are in the world. Mais du frère Carl. They said brother come. Ils sont sauvés. They are saved. Et ne regarde pas ça. Ils sont sauvés. They are saved. Ainsi dit le Seigneur. Il peut aller faire tout ce qu'il veut. Tu y es, les gens ont fait n'importe quoi. Ça, ce n'est pas ton problème. Dieu a dit, et cela est fini. Ils sont sauvés, c'est fini. Yes, sir. Le Dieu que vous voyez, the God that you see, ah, il est puissant. Amen. C'est vrai. It's true. Les gens vont adorer un Dieu qu'ils ne voient pas. People go and worship a God that they don't see. Dieu, il le cherche. God, il est où est le Seigneur? Il Lord? Est là-bas. Tout ça. Et la Bible dit, ils vont aller le chercher de l'est à l'ouest. Ils ne le verront jamais. Pourquoi? Why? Puisque Dieu s'est incarné dans le monde. Amen. Vous savez quelle faveur, you know what, nous avons devant Dieu. We have Amen. Amen. Dieu avait toute sa grandeur. God with all his greatness. Tout ce qu'il faisait était basé sur l'épouse. Based on the bride. Qu'est-ce dit le frère maintenant? Il dit quand vous lisez la Bible, so de Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir Jésus et son épouse. You see Jesus, yeah, right. Partout. Everywhere. Car nous sommes une partie de Jésus. Because we are part of Jesus. Qui parle de Jésus parle de moi. Who speaks of Jesus speaks of me. Puisque je suis Madame Jésus. Amen. Amen. Jesus. Amen. Amen. Tu vas dire pas toi. He said not you. Toi qui es-tu? Who? Moi je demande au frère. When I ask you, à brother, qui Dieu a donné la liste? Who did God give? Toi, the list? Toi pasteur qui? You pastor who? Dieu a pris la liste et a écrit dans le livre. Toi, you who? You who? Non. Dieu est libre, God is free. Il est souverain. He's souverain. Je vais vous dire une chose. I will tell you something. Vous savez, you know, à part tout ce qui est écrit, nous savons que ça c'est la parole de Dieu. You know, this is the word of God. À part tout, à part ça, apart from this, il y a la souveraineté de Dieu. Amen. The deity of God. The sovereignty of God. Amen. Amen.
C'est comme on parlait de Moïse. Et je sois, moi, on dit, non, moi, les Israéliens doivent aller épouser les femmes là-bas. Ça doit être une femme juive. They have to go and marry a woman there, he has to be a Jew. Moïse va épouser une femme dans le monde. And Moses will go and marry a woman from the world. Toi, tu ne peux pas commander. You cannot comment. Tu peux avoir des citations. You can have quotation in mind. Mais ça, but that, c'est la souveraineté de Dieu. It's the sovereignty. Ah, si tu bouges, if you move, tu as la lèpre. You have leprosy. Sakana. Amen. Or la citation dit, well, the quotation says, tu ne peux pas aller dans le monde. You cannot go on the world, in the world. Amen. Amen. Dieu est souverain. God is sovereign. Comme je vous disais la fois passée, as I was saying last time, tu sais en Samarie, you know, in Samarie, ils avaient beaucoup de photos de la femme là qui est la femme samaritaine. They had pictures of that woman. Elle avait une photo du premier mari. One had a picture. L'autre avait une photo du deuxième mari. Second husband. Troisième photo, troisième mari. Quatrième photo, quatrième mari. Cinquième photo, cinquième mari. Sixième photo, sixième mari. Six husband picture. Mais ils n'avaient pas la dernière photo. But he didn't have the last picture. But they only had the six. Et selon la parole qu'il disait dans la Bible, the book, the word that was cette femme-là, that woman est disqualifiée. Is disqualified. Mais dans l'économie de Dieu, but in God's cette femme-là, that woman est le plus précieux. Is more precious. Que beaucoup de pharisiens. That more than pharisees. Jésus a déjà laissé ses apôtres. Jesus ever left his apostles. Pour aller chercher un pharisien. To go look for a Pharisee. La seule fois qu'il est allé chez un pharisien. The last time he went to a Pharisee. Vous savez ce qu'on a fait de lui? Do you know what he did to him? Il va chez Monsieur Simon. He goes to Mr. Simon. Simon. Il dit aux gens qui étaient à la porte. Il se guise. Ne le lave pas. Don't wash it. Listen, don't wash it. Ça, nous allons voir ce qu'il va faire. You're gonna see what he's gonna do. T'es avec des odeurs. Il était entré là-bas. Il était fatigué. Il dit, il commence à les critiquer. Il dit qu'il est le Messie. They say, il say he's the Messiah. Messie. Look at the Messiah. Très sale. Very dirty. Messie. D'ailleurs, on nous a raconté qu'il est parti frapper les gens à l'église. He went to win people in the church. Et il est même pas humble. He's not even humble. Quel Messie? What Messiah? Dieu est calme. God is calm. Il est comme le souverain sacrificateur. Like Dieu ne peut pas prendre un fouet pour damner les gens. Mais quel est Dieu? What kind of God? Dieu est très très logique. God is very logical. Et il commençait à décrire Dieu. C'est pourquoi God. Dieu, tu ne peux pas le décrire. That's why God, you cannot describe. C'est pourquoi. That's why. Ils l'ont manqué. They missed it. Dieu, on ne regarde pas avec les yeux. God, on regarde Dieu avec la parole. Amen. 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 Pas avec les yeux. Not with the eyes. Il dit, mais est-ce qu'il est le Messie? Is he the Messiah? Il commence à parler. He started talking. Alors. Jésus avait sa fille là-bas. Jesus had his daughter. Elle regarde. Et il dit, chaque fois quand je vais aller chez le Seigneur, he said, every time I want to go to the Lord, beaucoup de gardes du corps. So many bodyguards. Et je vois un autre garde du corps là qui est Pierre. Peter. Bodyguard. Oh, ils étaient toujours comme ça. Il dit, maintenant il est sans garde du corps. He said, now he's without the bodyguard. Je vais profiter. I will go. Il va, elle commence à pleurer. She start crying. Elle commence à pleurer. Start crying. Elle est sûre. She wiping with her tears. Simon appelle ses amis. And Simon calls his friend. Regarde le Messie. He said, look at this. Est-ce qu'il connaît d'abord cette femme? Does he know that woman? Est-ce que tu as la vidéo de cette femme à la maison? Have the video. Il dit oui, j'ai la vidéo. I have the video. Il dit oui. He said, yes. C'est l'âge de la vidéo. It's the age of the video. Il dit je l'ai à la maison. I have in the home. Mais regarde, il pleure là-bas et le Messie le voit. And he cries there and the Messiah doesn't see him. Quelle espèce de Messie? Alors, comme le Messie est la parole. What kind of Messiah? Il connaissait ce qu'il pensait. He knew what he was going. Il dit, Simon, je vais te poser une question. C'est Simon, I will ask you a question. Il dit, ah oui, mais. C'est Master. Il appelait, mais. C'est Master. Être le pharisien, ce n'est pas bien. Dis aux gens ce que tu es. Tell people who you are.
pharisien. Il dit, je vais te poser une question. Ça va sur le poisson. Moi, depuis que je suis venu ici, c'est si ça tu n'as pas lavé mes pieds, tu as fait ceci. This, et cette femme, and this woman, depuis qu'elle est venue, elle a fait ceci. She did that, she did that. Et à cause de ça, because of that, ses péchés sont pardonnés. He sees il regarde, il pardonne même le péché. Il forgive sins. Amen. Amen. Il est en train de blasphémer. He's blaspheming. Dieu dans la chair, God in flesh, il est puissant. Amen. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Un frère, un frère, quand tu parles avec, il faut faire très attention. When you start with it, speak with them, be careful. Amen. Amen. Yes. Vous voyez même la confession. You see, I mean, the confession. Quand tu fais quelque chose de mal, when you do something wrong, tu vas faire la confession. You, who are you confessing? À Dieu? To God? Non, tu fais la confession à un frère. You did the confession to your brother. Ça, ce sont les catholiques qui vont à Dieu. That's, les catholiques. The Catholics. Ce sont eux qui font la confession, c'est les prêtres. Oh, it's them who did the confession. Il dit, toi, tu as fait ceci. You see, you did this. Va, 50, je vous salue, Marie. 50, hey, Mary. Alors, ça va passer. And then it will pass. Ah, le péché restera toujours là. The sin will be there. Ah! Catholique. Amen. Tu sais, moi j'ai toujours pensé que même les démons de Jéhovah sont pires que les catholiques. Non, Jehovah's Witnesses are worse than Catholics. Au moins, les catholiques savent que Jésus est Dieu. Catholics, at least, they know that Jesus is God. Amen. Mm. Quand tu vois quelqu'un accepter des histoires comme ça, when you see someone accepting things, il n'y a pas la nature de Dieu. There's no nature of God. Amen. 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 Alors. L'homme le plus fort de la terre, the strong man, the powerful man is Samson. Samson. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? What happened is that un jour, one day, il va trouver un jeune lion. He goes to find a lion. Il le tranche. He kills. Plus tard, il revient. And one day, come, il trouve du miel dedans. He find honey in there. Comme je vous disais, as I was saying, dans l'homme, il y a deux natures. There are two natures. Mais celui que tu nourris beaucoup, but the one that you feed a lot, c'est celui qui va prendre place. Is the one that will take place. Si tu donnes beaucoup de place à Dieu, if you give more place to God, bit by bit, tu verras que la divinité va tout gagner en toi. And you see that the deity will be all over you. Amen. Amen. Et ces miels-là, and those honey, représentaient une bonne nature. Represented a good nature. C'est-à-dire que tu peux par la parole que tu écoutes chaque jour. You can by the word. C'est pourquoi il faut toujours écouter la parole. That's why you have to always listen. C'est la parole qui enlève les mauvaises habitudes. It's the word that removes the first habit. Aujourd'hui, tu peux enlever quelque chose. You can remove something. Demain, un autre. Tomorrow. Après-demain, un autre. After tomorrow, un jour, one day, tu vois que tu es au-dessus des péchés. And you see that you are above sin. Même si tu fais quelque chose, if you do something, mets ça en ordre. Put it in order. Dieu ne peut pas retirer son salut. God can never take away his salvation. Amen. Amen. Et ce que tu dois faire, and what you have to do, quand tu penses qu'en toi, when you think in you, tu n'es pas capable, you are not able, de pardonner même ton ennemi, if you forgive your enemy, tu dois vraiment prier Dieu. You have to pray. Dis Seigneur, the Lord, say Lord, rappelle-moi ma position. Remind me my position. Moi, tant que Dieu, me as a God, je dois supporter mon ennemi. I have to support my enemy. Moi, il y a la nature de Dieu. Me having the nature of God, je dois voir les attributes of God. Mais qu'est-ce qui ne va pas? But what's going on? Amen. Amen. Dieu va faire quelque chose. God will do something. Car c'est Dieu ton mari. Because God your husband. Alors, dans la prédication, in the preaching sermon, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Why are we not a denomination? Le frère Branham parle un peu des mauvaises habitudes que nous avons. But when I speak of bad habit that we have, il dit au paragraphe 185. In the paragraph 185. Est-ce que je viens ici? Oui, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Why are we not a denomination? Paragraphe 195. Paragraphe 195. Si je dis quelque chose qui n'est pas bon avec toi-même, écoutez, moi je vous aime tous. If I say something that is not good with you, put it aside. I love you all. Amen. Maintenant, paragraphe 195. Paragraphe 195.
Attendez, il faut qu'il trouve ça. Laisse-moi faire pas le jeu. Le 27 septembre 58. C'est très moment, 58. Auparavant, 185. Maintenant, 195, pardon. Ah, tu as trouvé. Il dit maintenant, nous pouvons vous dire pourquoi nous prenons la communion. Et nous vous dirons pourquoi nous pratiquons le lavage des pieds et pourquoi nous ne voulons pas laisser les membres prendre la communion si nous savons qu'ils vivent dans le péché. Now we can tell you why we take communion. We tell you why we take feet washing. Why we won't let the members take it if we know they are in sin. C'est pourquoi ces deux ou trois dernières semaines, je suis allé d'un membre à un autre. Vous voyez vos petites querelles, vous avez vos petites querelles aussi. Je suis allé, l'un ne voulait pas parler à l'autre. Et quand il s'est rencontré sur la route, il détournait la tête. And that's why these last two or three weeks have been going from one member to another, where you've been having your little first around to. Going around, one would not speak to another and pass one another on the road and turn your head. Prenons que nous sommes dans la même église avec le pasteur. Le sait bien, le same church. Je le passe dans le magasin. I show him in the shop. Il est là-bas. He's there. Ah, je tourne un peu. Attends. Je ne veux pas le voir. I don't want to see him. Puisqu'il va me faire des problèmes. Because he has problems. Puisqu'il a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. Because he did something that he did not like. Et puis madame dit ceci. And Baba me said this. Homme à vous. Shame on you. Vous qui avez pris la coupe bénie de Dieu au-dessus de cet autel. You who has took the blessed cup of God across this the altar here. Vous qui êtes appelés frères et sœurs. And called you brothers and sisters. Et qui ensuite prenez le téléphone et commencez à parler à mal des uns des autres. And then get on a telephone and get off about one. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien. You are not fit to be called Christian. Quand vous agissez ainsi. When you are that way, right. Amen. Amen. C'est vrai. Restez éloigné du téléphone. Take away from the phone. Si vous ne pouvez pas dire du bien de quelqu'un, if he can't say something good, alors ne parlez pas du tout. Amen. If you can't talk good about somebody, souvenez-vous. Don't you talk at all. Dieu vous en tiendra pour responsable. Remember, God is going to hold you responsible. Amen. Aussi longtemps que cette sorte d'esprit est en vous. As long as that kind of spirit is in you. Vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. You know you are not right with God. Si vous ne sentez pas. If you don't feel. Tu dois sentir une condamnation. You have to feel a condemnation. Sinon, otherwise, il y a quelque chose qui ne va pas. There's something wrong with you. Les frères maintenant parlent du téléphone. But when I speak of telephone, aujourd'hui il n'y a pas seulement le téléphone. Today there's not only telephone. Il y a le Facebook. There's Facebook. Il y a le WhatsApp. There's WhatsApp. Si un homme est dans l'erreur, if a man is in the wrong, allez vers lui et réconciliez-vous. Go to him and be reconciled. Vous savez pourquoi nous ne faisons pas ça? You know why we don't do that? Puisque nous n'aimons pas la personne. Because we don't love the person. Puisque si j'aime la personne, if I love the person, j'aimerais que cette personne soit parfaite. I want that person to be perfect. Si mon fils faisait quelque chose qui n'est pas bon, if my son do something that is je vais dire c'est fini, tu n'es plus mon fils. I will say finish your own son. No, il a toujours mon sang. He still has my blood. C'est comme ça avec vous, avec Dieu. The same thing with you and God. Si Dieu t'a sauvé, if God saved you, quand tu fais le mal, when you do something, tu resteras toujours fils de Dieu. You will still remain son of God. Mais tu vas payer pour la faute. But you have to pay for the mistake. Mais Dieu t'aime toujours. But God loves, still loves you. Amen. 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 Dieu t'aime toujours. God still loves you. Il dit, allez réconcilier-vous. Go and reconcile. Puisque quand nous écoutons que tel frère, because when we heard that, so that brother, il a fait ceci, il a fait ça. Mais si c'est dans ma maison, if it's my house, je ne le veux dire à personne. I want to pourquoi? Puisque j'aime ma maison. Because I love my house. Or, le frère madame nous dit, what, cet amour-là, that love, c'est l'amour filéo. Filéo love. Ah, tu dois faire un autre pas. You have to do another work. Mais si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. C'est ce que vous y prenez correctement. Now wonder, no wonder God can't discipline his church. Mm-hmm. Oh, if a man is in wrong, go to him and be reconciled. If you can't be reconciled, take somebody with you.
No wonder God can't discipline his church. Cause you are not doing it right. Ah, vous savez, une des plus grandes questions que je me pose chaque jour. One of the greatest questions I always ask myself every day. Le message est très grand. Je n'ai pas encore lu toutes les brochures. The message is great, big. I haven't read all the spoken words. Et je dois chercher à vivre bien moi-même. I have to start. I need to live well myself. Comment les gens? How people passe le temps? Pass the time. Oui. Tel que moi, je vais passer mon temps à sauver le frère. I will pass my time saving my brother. Moi, je ne sais pas d'abord si je suis sauvé. Me, I don't even know if I'm saved or not. Chaque jour, every day, je veux sauver le frère. I want to save the brother. Ben, il a fait ceci. He did that. Peut-être quand tu me critiques. Maybe when you critique. Moi, je vais chercher à aller près de Dieu. I will look to God. Tu fais un bon travail pour Dieu. Do a good work for me. Et toi? And you. C'est pourquoi la Bible dit. That's what the Bible avant says. D'aller chez les autres. Before going to commence d'abord par toi. Start by yourself. Est-ce que ton travail est fini? Is your work finished? Ah. Il dit au lieu de faire ça, being, vous êtes toujours au téléphone. You're always on telephone. Et le diable a donné le forfait. And the devil gave the il a donné bundles. Frigo. Frigo's bundles. Like a like a. Like a like a. Frigo. Pourquoi? Why? Pour que tu passes beaucoup de temps. So you can pass most of the time. Tu vois, tu appelles quelqu'un. Because somebody. Une heure au téléphone. 1 hour on the telephone. Est-ce que tu n'as pas mal aux oreilles? Non, est-ce que tu n'as pas mal aux oreilles? Why not téléphone? Tu entres à gauche, go tu reviens à droite. You come back. Lui, vraiment, he's je there. Ne vois pas. Mais il est parti. He's gone. Tu as une famille. You have est-ce que ta femme va bien? Les enfants. Est-ce que tu as fini d'amour? Avec toi and et la maison. Avant d'entrer chez la sœur et le frère. Before going to the sister or the brother. Et souvent les gens qui font comme ça. And normally people that have good life. Ils n'ont pas une bonne vie. But Bible says those people don't have a good life. Tu ne fais qu'arranger les autres. You only fix other people. Est-ce que tu as déjà écouté? And you heard? À Paris. In Paris. Ah. Ils ont fait ceci. They did that. Hey. Ça te fait du bien. And it is really good. Nos oreilles doivent filtrer. N'est-ce pas le filtre de l'homme qui réfléchit? The filter of a man. Mais tu dois prendre la parole dans l'entièreté. You have to take the word in its fullness. Moi j'avais un ami. I had a friend. Il est pasteur maintenant. He's a pastor. Et il est à Kinshasa. He's in Kinshasa. Quand il allait chez le frère, when he was going to le frère était toujours là. The brother was. He did. Il a fait ses lits. Tu sais qu'elle dit. Mon bout. Mon bout. Et this. Lui, après, il le laisse parler. He leave them talk. Après 30 minutes. After, si les choses ne changent pas, if things haven't changed, il le dit. He alors, parlons de ce jeune homme qui est mort pour nous à 33 ans. Let's talk about this man that died. Et toi aussi. Ça a été. C'est la seule personne que nous pouvons parler de lui, même si nous le voyons, nous pouvons parler de lui, il n'y a pas de problème. Les autres, nous allons changer, on va chercher des repentants. Mais pour lui, but for him, non. Nous parlons de Jésus. Il dit, ah, toi aussi, so quand tu viens toujours, le Seigneur à l'église, même ici, mais l'église est où? Where's the church? Mais toi, tu es l'église. C'est ce que le frère disait. Mais est-ce que Dieu habite ici? God lives quand here. Nous sortons ici, when we leave c'est here. Fini. Les autres, hein. Sinon, la commune aura Dieu. C'est ça, c'est la maison de la commune. The... Si Dieu habitait ici, c'est-à-dire que la commune a Dieu. That means the community has God. Dieu vient ici avec nous. God comes here with us. Si nous venons, puisqu'il est la colonne de feu qui nous conduit. Because the spirit of fire leading us. Quand nous venons ici, il vient. He comes. Si nous quittons, il quitte. He leaves. On doit terminer. Non, vas-y. La personne derrière vous. Ah, ça c'est bon. Vous voyez? Alors, si nous pouvons. Le frère Madame disait. J'aimerais une petite église. I want a small church. Qui vit en harmonie. Amen. Amen. Qui suit la parole. That lives for the word. Qui a l'amour divin. That has love, divine love. Qui une grande église. That a great church. Là, tu ne peux même pas gérer.
Where he can't be controlled. C'est lui là l'esprit de ceci. That one has c'est lui là l'esprit de ceci. C'est lui là l'esprit de ceci. C'est lui là l'esprit de ceci. Tu ne sais pas quelle est cette assemblée. You don't even know what we... En réalité, une assemblée doit être homogène. Une assemblée doit être homogène. Homogène, ah, ça signifie que it means vous avez le même esprit. You have the same spirit. Vous avez le même but. You have the same purpose. Vous travaillez pour une cause commune. You work for the same purpose. Ton problème, c'est mon problème. Your problem is my problem. Ta joie, c'est ma joie. Your joy is my joy. Amen. 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 Ah, même quand quelque chose ne va pas, when something au lieu que j'appelle quelqu'un, instead of calling somebody, on en parle pour venir te voir avant. We come to donc, je dois d'abord te voir toi. I have to see you first, you. Peut-être que j'ai mal compris. Maybe I understood it wrong. Peut-être que quelqu'un a mis le feu, du sel et du poivre. Maybe somebody has put some salt. Puisque ça, c'est le travail du diable. Because that's the work of the devil. Frère, tel a parlé mal de toi. Brother, so and so spoke bad about you. Tu vas voir, il va voir de quelle foi tu as fait les choses. Hein? Yeah. Tu joues avec moi. You play with me. Prenons la Bible et mettons de côté. Let's take the Bible and put it aside. Maintenant, si tu mets la parole de côté, tu vas rester qui? Put the word aside. Non, on ne peut pas mettre tout ce que nous faisons, ça doit être dans la parole. Everything we do, it has to be. Amen. Vous savez que même la vie courante de chaque jour, even the normal life, every day, daily life, ça se trouve dans le message. It's in the message. Amen. Amen. Non, on parlait avec le pasteur. We were speaking j'ai dit pasteur, même le business. I say even the business. Un homme, un businessman. Businessman. Nous avons les enseignements du business dans le message. You have your business teaching in the message. Mm-hmm. Vous avez déjà trouvé ça? Et vous l'avez fait. Parce que prêche le business. Parce que prêche le business. Comme ça, tout le monde va devenir business. Ils savent de plein évangile. Business. Business. Le frère Branham prêche dans la prédication. Branham prêche dans le sermon. Les investissements. Investissements. Il explique comment tu peux investir. He explains how you can invest. Le marketing. Marketing. Le feu madame prêche le marketing. Preach the marketing. Dans la prédication. In the sermon. Tu connais la prédication qu'il a vu une publicité de la panneau publicitaire. C'est-à-dire il prêche le marketing dedans. He preach the marketing in there. Qu'est-ce qu'il nous manque? Nous dans le message nous avons toute la science. In the message we have the whole. La géographie, l'histoire. Qu'est-ce que nous n'avons pas? What? Les sept âges de l'église, c'est l'histoire. The seven churches, ouais, ouais. History. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Mm. Et à part toute la science des jeux, nous avons les zodiacs. Apart from the science, we have the zodiacs. C'est à part ça, c'est-à-dire que nous sommes des astronautes. Vous le savez, non? Amen. Nous sommes astronautes. Astronautes. Nous sommes tout. Amen. Nous, on peut aller dans toutes les sciences expliquer les choses. On a un frère en Belgique là-bas. Il est professeur d'université. He's a professor. Quand il va faire quelque chose, when you go and il a des réunions, yeah, meeting, le gens le trouvent extraordinaire. People find him extraordinary. Il dit, mais toi, où est-ce que tu prends ça? So where do you get that? Et le frère nous dit, moi, je prends ça dans le message. I take it in the message. Et à part toute la science là, apart from all the science, nous connaissons la sixième dimension. Mais ces gens-là ne connaissent pas. And those people don't puisqu'ils n'ont pas quelqu'un qui est allé dans la sixième dimension et revenu. They haven't been somebody who went in the sixth dimension. Depuis que le monde est mort, since the world personne n'est allé dans la sixième dimension. No one has ever been in the sixth. Et revenu nous raconter ce qui s'est passé. Come and tell us what happened there. Tout ce qu'on raconte à YouTube là. J'étais mort. I was dead. C'est Lukuta Massange. Amen. Massange, Lukuta, moi j'ai au-delà du temps, dans le rideau de temps, au-delà du rideau, c'est là où l'homme nous raconte que je suis sorti de mon corps. J'ai vu le vieux Branham là-bas et le vrai Branham. And the true Branham est allé dans la sixième dimension. Car le vieux Branham ne peut pas aller là-bas. The whole world cannot go there. Voilà. Il dit, je vis mon corps étendu comme ça. I saw my head laying like this. Et je suis allé au ciel. And I went to heaven. Et tu vois, see, il voyait son corps sur le lit. He was seeing his body on the bed.
Mais il était au ciel. But he was never there. Et le ciel, c'est où, mais? Where is heaven? Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Non, non, c'est le prophète. Où est le ciel? Where is heaven? Il dit, je vis une jeune fille venir. And I saw a young man coming. C'est là tu l'as baptisé quand elle avait 80. You see this one, you baptized when it was 97. Alors le frère madame dit, je ne veux plus rentrer. Il dit, non, si nous savions vraiment qu'au-delà de ce corps, il y a une bonne vie, il y a un vrai Dieu, il y a un vrai toi, tu ne passerais pas ton temps. Si c'est sur la terre, you won't pass your time on earth. Faire des projets, je vais aller à la lune. I want to go to the moon. Faire des projets aussi, c'est le pas mal. Do your projects, it's not bad. Elle passe toujours au Seigneur. I think Amen. 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 Mais le projet, c'est le moment. Moi, je fais beaucoup de projets. Amen. Mais tu dois aussi faire des projets pour Dieu. You also have projects for God. Amen. 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 Oh, c'est là. That's where. Et terminons vite, yes, finish, sinon les gens vont se fatiguer. Prenons super sens. It's a super sense. Paragraphe 40. Paragraph 40. Un super sens. Prêchez le 27 décembre 59. Super sens. Le 27 décembre 59. Au paragraphe 40. Je n'ai pas fini la citation. Le frère Branham dit, honte, vous ne vous appelez pas chrétien. I haven't finished that quotation, but Branham said, shame on you, don't call yourself a Christian. Quand nous étions en Turquie avec le frère JP, when we were in August, je suis allé à Antioche. I went to church. Dans l'église de Paul. In the church of Paul. Là où on a appelé le Jean chrétien. La première fois. Where the conversation was fashioned, they were in church. Et je suis allé voir cette église. I went to see that church. C'était une roche. Une roche, ça nous avons une bonne église. We have a good church here. C'est sous la roche. J'ai encore des photos. C'est lui qui veut, je peux le montrer. Mm-hmm. Whoever wants, I'll show it to you. I have pictures. Ah, church. C'est là. Pourtant, c'est un pays musulman maintenant. It's a Muslim country now. J'ai demandé s'il y a les frères du message là-bas. I asked if there's a brother who messaged there. It's nothing. C'est là où la première fois ils ont vu les gens marcher comme Christ et ils ont dit ce sont des chrétiens. It's the first time they saw people walking as Christ and they say it was they are Christians. Le frère madame dit, voyez-vous, si vous avez les langues, elles cesseront. If you have tongues, they will cease. Et si vous avez la sagesse, elle disparaîtra. And if you have wisdom, it will vanish. Les prophéties, elles prendront fin. Prophecies, it will. Mais end. Lorsque vous avez l'amour, elle demeure à jamais. But Amen. When you got love, it will endure forever. Et n'aimez même pas seulement ceux qui vous aiment. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment. And don't love only those who love you. Mais aimez ceux qui ne vous aiment pas. But love amen. Those who do not love you. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ça c'est dur, mais it's hard, but we have to bring it out. Car il est facile pour moi d'aimer quelqu'un qui m'aime. For it's easy for me to love anybody that. Mais essayez d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. I'm trying to love somebody who doesn't love you. Nous avons dit que le fumeur, il s'aime entre eux. We say the smokers love each other. L'amour du fumeur. Because they have love of smoking. Ceux qui vont voir les films. Those who go and see movies. S'il y a un mouvement, if the ces gens-là s'aiment. Those people love. Tout ça, c'est l'amour filé. All that is filé love. Mais l'amour là-bas, il va au-delà de ça. Go beyond that. C'est ainsi que vous pouvez reconnaître si vous êtes un chrétien ou non. That's where you can test whether you are a Christian or not. Je vous disais la fois passée que I was saying last time that connaître ce qui est vraiment, ce que vous êtes, to know what you are, c'est dans une réaction. It's in a reaction. Pas l'action. Not action. L'action, tout le monde peut faire quelque chose de mal aussi longtemps que tu es ici. Action, anyone can do something wrong as long as you're in. Mais la réaction. But the reaction. Quand il y a une action. When there's an action. Montre là où tu es avec Dieu. Show where you are with God. Amen. Lorsque quelqu'un ne vous aime pas. Vous l'aimez malgré tout dans votre cœur. Amen.
Maintenant, si vous ne faites pas cela, continuez de vous cramponner à Dieu. C'est là, car je sais que cela est la vérité. Amen. Je sais que c'est la vérité. Somebody that don't love you and get in your heart, you love them. Now, if you don't do that, that just keep holding, then just keep holding onto God. It is there because I know it to be the truth. Amen. I know it's the truth. Amen. Amen. Donc si ce sentiment n'est pas encore à toi, if that feeling is not in you, continue. Ne regarde pas ce que les autres font. Don't look what people toi, are doing. Toi, you. Puisque le salut là, c'est toi, pas les autres. The rapture is you, not others. N'est-ce pas? Isn't true? Toi, tu es le sujet. You, toi. You are the subject. Pas, ne regarde pas les autres. Don't look to others. La Bible dit deux hommes, c'est les lions prendra, les lions laissera. Don't Amen. You be made to take what que cet homme-là qui travaille soit toi. And that man what you to be you. Ma femme, oh, ma non. Wife, no. Mais si elle ne fait pas, toi fais ce qu'il veut. Amen. Do, you do what you do. Amen. 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 Dieu tient sa parole. God. Encore deux citations, on termine. Dieu tient sa parole. Prêchez le 7 avril 57. 57 of April. Comment, quel privilège que Dieu. What's the privilege that God? Aimerais-tu être un poisson? You want to be a fish. Amen. Aimerais-tu être un poisson sur ma table? Aimerais-tu venir être un mets sur ma table? Le 7 avril 57, paragraphe 247. Now, how about privilege it is for God to say, would you like to be a fish? Amen. Would you like to be a fish on my table? Would you like to come and be meat at my table? Oh my. Bien sûr, Seigneur, voyez-vous, sure, mais sure, ils Lord. Sont une nature de poisson, voyez-vous. See, but their nature is fish, see. Quand vous êtes un chrétien, when you're a Christian, vous avez la nature de chrétien. Your nature is a Christian. Vous n'avez pas besoin de dire, you don't have to say, bon, tu n'as pas de droit, tu n'as pas le droit de fumer. Now you can't smoke. Tu n'as pas le droit de boire. You can't drink. Tu n'as pas le droit de faire ceci. You can't do this. Vous n'avez pas besoin de dire, you don't have to say that. Ils ne font pas de toute façon. They just don't do voyez-vous. Leur no. Nature est différente. See, their nature is different. L'esprit de Christ est dans la personne. The spirit of Christ is in the person. Et Christ ne fait pas ces choses-là. And Christ don't do those things. Vous dites, you say, tu dois aimer le Seigneur. You have to love the Lord. Tu devras aller à l'église. You ought to go to church. Vous n'avez pas besoin de dire ça. You don't have to tell à ces gens-là. People that. Ils vont de toute façon. They go anyhow. Ils iront à pied. They will walk through the rain. Sous la pluie. Through the rain. Ils iront. They will go. Ils sont à l'article de la mort. Going through there. Et ils vont à l'église. They go to church. Certainement. Sure. Ils aiment ça. They love it. Il faut absolument they just qu'ils y aillent. To get there. Un point c'est tout. C'est leur vie. That's all. That all is to is. S'ils ne vont pas, ils ont l'impression d'être en train de périr. If they don't, they feel like they are perishing. Certainement, oui, sure, monsieur. Yes, sir. Il faut absolument que vous y allez. Amen. Là, ici, le frère Madame veut dire c'est here, brother, si la nature de Dieu, if the nature of God is in vous verrez ce qu'un vrai chrétien fait. Certainement, si tu n'as pas besoin de faire 21 jours comme maman ou la vie, c'est la nature de Dieu. Enseigne à toi, tu verras ce que Dieu veut. You will do what God wants. Amen. Là, tu dois faire l'examen toi-même. Examine yourself. Question-réponse numéro 3, prêché le 30 août 64. Question-answer number 3, prêché le 30 août 64 le matin. 30 of August. Prêché le matin. Prêché au paragraphe 358. Ça, j'ai aimé beaucoup cette citation. Le frère Madame dit. Ah, voilà, monsieur. 358. Attendons que le feu arrive. Paragraphe. Paragraphe 358. Paragraphe 255. Question de force numéro 3, le 30 août 64. On termine dans quelques minutes. We finish it soon. In a few minutes. No! 357.
Ah, c'est ça. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Oh, je l'aime. Oh, isn't it wonderful? Oh, I love you. Dans mon cœur, je l'aime. I love you. Si je connais bien mon cœur, if I know my heart, je crois que vous l'aimez aussi. I believe you do too. Alors nous sommes ensemble. So together we are. Nous sommes ses enfants. We are his children. Nous nous aimons les uns les autres. We love one another. Or, je ne peux pas l'aimer sans vous aimer. Now I cannot love him without loving you. Je vais encore répéter. I'm going to repeat. Je ne peux pas l'aimer sans vous aimer. I cannot love him without loving you. Amen. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ses enfants. You cannot love God without loving his children. Amen. Tu ne peux pas. You cannot. C'est-à-dire. It means. Donc les enfants de Dieu, tu ne les aimes pas. The children of God, you don't love. Dieu est le Seigneur. You love God. Le frère Branham lui dit ça. But when I say it doesn't exist. Pour aimer Dieu que tu ne vois pas. To love God that you don't see. Tu dois aimer ses enfants. You need to love his children. Et si je dis que je l'aime, et que je ne vous aime pas, la Bible dit que je suis un menteur. Voyez, si vous vouliez, si vous vouliez, soit m'aimer moi. If you want to love me, ça c'est le frère Branham qui dit. Si vous voulez m'aimer moi, if you want to love me, il y a des citations qui disent comme j'aime le frère Branham. There are quotations that say as I love Brother Branham. Le frère Branham a dit tout ce que j'aime, je te le donne. The Brother Branham says, if you love, I give it to you. Est-ce que j'aime le frère Branham? You love Branham. Voyez ce qu'il dit. Il vous donne un conseil aujourd'hui. Il dit, he said, moi ou bien aimer ma famille, if you want to, if you love me or my family, le choix, the choice, que je voudrais que vous fassiez, the choice entre m'aimer ou bien aimer ma famille, I want you to do love me or my family. J'aimerais donc aimer ma famille. You love my family. Je préférerais que vous aimiez Billy Paul. I'd rather you love Billy Paul plutôt que moi. Than love me. Amen. S'il fallait vraiment faire un choix, if you have to make a choice, je préférerais que vous fassiez cela. I want you to do it. Je veux que vous m'écoutiez moi. I want you to listen to me. Parce que Billy Paul n'est pas un ministre. Because Billy Paul is not a preacher. Mais je veux que vous m'écoutiez. But I want you to listen to me. Que vous écoutiez ce que je vous dis. What I tell you. Mais quand vous devez aimer quelqu'un. But if you want to love somebody, et que vous voulez vraiment l'aimer, really love them, et que vous disiez je veux aimer soit vous soit Billy Paul, you say I want to love either you or Billy, aimer Billy Paul, you love Billy. Mm. Voyez, si? Dieu pense la même chose à notre sujet. God feels the same way about us. Ça c'est la bouche de Dieu. That's the mouth of God. Et nous ne pouvons pas. And we cannot. Alors je sais que vous ne pouvez pas aimer Billy sans m'aimer. Then I know that you cannot love Billy without loving me. Aujourd'hui les gens aiment beaucoup Frère Branham, ils n'aiment pas Joseph. Today people love Frère Branham, but they don't love Joseph. Ils n'aiment pas Billy Paul. Et ils aiment le Frère Branham. And they love Frère Branham. Et Lukuta. Right. Le Frère Branham dit tu dois. Puisque. Because. Dans Joseph. In Joseph. Il y a Frère Branham. Amen. 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 C'est ce qu'il dit. That's what he says. Il y a un prédicateur là-bas en Italie. There's a preacher there in Italy. Quand le frère Joseph, when Brother Joseph a parlé sur here I stand, spoke of here I stand, il a commencé à insulter le frère Joseph. He started insulting Brother Joseph. J'ai dit mais cet homme ici, I said, but this man, il est pire qu'un catholique. He's worse than a Catholic. Tu n'as même pas la pudeur. Tu vas insulter toi quand tu es né, you, when et tous tes enfants, tu as la barbe blanche, et quand tu es né, when et tes born, enfants, and your children, Dieu est venu donner le nom de ton fils. God come and give the name of your child. Non, tu as seulement pris le nom dans la Bible. Just tu dis, mon Bible. Fils va s'appeler comme ça. Mais ce garçon-là, that boy, Dieu est venu donner le nom. On a même puni quelqu'un à cause de ce nom-là. Amen. Puni somebody because of that name. Puisque au lieu que Joseph naisse, Sarah vient. Sarah came. L'homme vient. The man came. Je voulais dire Joséphine. You wanted to say Joséphine. Dieu le frappe. Amen. Struck him. Car tu as parlé contre Dieu. Because you spoke against God. Car Dieu a donné le nom. God gave the name. Toi, you, tu vois ça dans les messages, see the message. Tu ne veux même pas respecter Jésus. You don't want to respect Joseph. Ah! Tu dis que tu aimes le Seigneur. You say that you love the Lord. Le frère Branham dit aime ma famille. Love my family. Amen. Mais parce que il dit que je sais que vous ne pouvez pas aimer Billy Paul sans m'aimer. I know that you cannot love Billy Paul without loving me.
Moi, parce qu'il est une partie de moi. He is part of me. Vous voyez donc, je ne peux pas aimer Dieu sans vous aimer. Can't love God without loving you. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Because you are part of God. Dites amen. Amen. Si je suis partie de Dieu, je l'ai amen. If you are in part, et nous nous aimons les uns les autres. We love one another. Et je trouve ça tellement merveilleux. Well, I think it is so wonderful. Vous ne trouvez pas que le chant, the song, c'est joli. Après avoir eu ça, after we have, après avoir répondu à toutes ces choses qui nous mettent dans des positions difficiles, c'est tellement réel. Il dit, he says, ça c'est question-réponse sur la Genèse, au paragraphe 26. Question answer in Genesis, paragraph 26. Il dit, personne n'a jamais vu said, le no Père. One, no one has seen the personne Father. No one. Ne peut voir Dieu. Can see God. Amen. Vous savez là où you know on décrit la colonne de feu dans la Bible. When you describe the pillar of allez le lire dans la maison, c'est dans Ézéchiel 1. In Ezekiel 7. Là, Dieu décrit la colonne de feu. There God describing the pillar of vous allez voir. You will see. Que dans la colonne de feu, vous n'arrivez même pas à la fin. Allez lire Ézéchiel 1 à la maison. Read Ézéchiel 1 at home. Amen. Amen. Là, le feu, la Bible, the Bible parle de la colonne de feu. Speak of the et là, il y a les quatre êtres vivants. And then there's a four qui ont living beings. Et ils gardent le trône. And they Amen. The throne. Et ils avaient des roues. And they had wheels. Et le feu, madame, dit pas. Là, ils étaient en train de marcher. And Amen. They were walking. Amen. Amen. Et aujourd'hui, today, ils n'ont plus de roues puisqu'ils sont arrivés. Alléluia. Et vous allez voir qu'au milieu de la colonne de feu, you see, in the middle of the il y a une autre lumière. Il y a. La colonne de feu the of fire, que vous voyez là-bas, there, ça c'est un veste de Dieu. That's Amen. The of God. Amen. Amen. Quand Dieu veut venir faire la rédemption. When God wants to come to redeem, il met la colonne de feu. He put the pillar of fire. Ça, à chaque âge, in every age, au temps de Moïse, il a mis ça pour enlever un peuple physique dans un pays, pour aller dans un pays physique. Amen. People physical to go in a physical place. Au temps de Jésus, il met la colonne de feu. The pillar of fire. Il fait sortir les gens de tradition. Bring people voilà, out of tradition. Pour les amener dans la parole. To bring Amen. Et au temps de la fin, il vous fait sortir des dénominations pour vous amener dans le feu. Et là, il faut Dieu utilise toujours la colonne de feu. Amen. Et il dit aussi, said, pour écrire la Bible, the Bible, tu as besoin de la colonne de feu. Quand Moïse rencontre la colonne de feu, il écrit la Sainte Écriture. Quand Paul rencontre la colonne de feu, il écrit le Nouveau Testament. Amen. Quand au temps de la fin, when in the time, ça c'est la photo. Quand Dieu vient, when God comes, témoigner que cet homme ici c'est moi qui l'ai appelé. This man, there is me who sent. C'est pour interpréter la Bible. To interpret the Bible. Ça c'est le travail de Dieu. That's the work. Et dans ce cas-là, il utilise la colonne. He uses the pillar of fire. C'est un veste. It's a suit. Il est là au milieu. He says there in the middle. Amen. Amen. Si vous allez à la maison, lisez Ézéchiel. If you go home, read Ezekiel. Là, vous allez voir ce qu'il y a dans la colonne de feu. What is inside la colonne de feu, la colonne de nuée, c'est la même chose. The Amen. The cloud. Puisque le jour c'était la colonne de nuée. The day it was the cloud. Et cette même colonne de nuée. The same cloud. La nuit devenait la colonne de feu. Wow. The night became the pillar of fire. C'est pourquoi aujourd'hui nous mean. Avons et la nuée et la cloud, colonne de feu. And the pillar of fire. Mais c'est toujours Jésus. But it's still Amen. Jesus. Amen. My. Amen. 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 Oh, il dit. He says. Oh, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu now, sous une forme corporelle. Now, no one has seen the Father anytime, and no man can see God in a bodily form. Puisque Dieu n'a pas une forme corporelle. Because God has. Dieu esprit, voyez-vous très bien. God is spirit. Personne n'a jamais vu le Père. No one has seen the Father. Mais c'est le Fils unique venu du Père qui l'a fait connaître. But the only begotten of the Father that has declared him. Et depuis ce temps-là, and since that time, si quelqu'un peut voir Dieu, if somebody wants to see God, il doit le voir dans le Fils de Dieu. He has to see the Son of God. Amen. 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 À partir de Jésus. Car Jésus nous a remis tout ce que le diable a pris. Jesus has given to us all. Au calvaire. Il a crucifié nos fautes. Il a crucifié nos péchés. Amen. Et tout ce que Dieu était. Vous savez ce que la Bible dit. Tout ce que Dieu était.
Dieu. Il a mis en Christ. Et là nous disons Amen. Et si nous disons Amen. Amen. Maintenant, nous allons continuer. Tout ce qui est écrit, c'était. Il a mis dans l'église. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Oh non, non. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est les gens ne savent pas ce qu'ils sont. People don't know who they are. Toi, tu es Dieu. You are God. Tu dois vivre comme Dieu. You have to live as God. Fuis au-dessus des discussions. Amen. Amen. Fuis au-dessus de celui-là. Amen. Celui-là fait comme ça. Je ne veux pas le voir. Fuis au-dessus de ça. Car tu es Dieu. Amen. 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 Quand Dieu en toi, God, ses attributs aussi sont en toi. Amen. Jésus n'est pas racigné. Jesus is not the end of any. À la croix. In the cross. Il dit à ceux qui le tuent. Père, pardonne-le. Toi, tu vas dire comment? Les gens sont en train de le tuer. Je veux dire, Père, pardonne-le. Non. Quand quelqu'un t'a fait du mal, when someone did something, ça j'ai écouté ça un jour là, dans le continent. Quelqu'un t'a fait du mal, et il a des problèmes après. He has problem after. Tu es différent d'Abraham. You are different than Abraham. Tu vas dire, you're going to say, ah, il est comme ça puisqu'il m'a insulté. Exactly. Frère, je vais te dire une chose. Brother, I want to tell you something. Toutes les personnes qui vont contre moi, everything that goes, everyone that goes against me, ils finissent mal. They finish bad. Et tu te glorifies. And you glorify yourself. Vraiment. Abraham. Abraham. C'est le genre de problème avec le berger de l'autre. He's a shepherd. Had problem with the other shepherd. Ils se font la guerre. They were having war. Ils se tirent. D'ailleurs, ton maître. Your master. Il veut diriger ici ton maître. Your master. Ça fait mal aux oreilles d'Abraham. He disturbed. Il dit Abraham, l'autre vient. L'autre come here. Tu es mon neveu. Je t'aime bien. I love you much. J'ai reçu la promesse. I received the promise. Je voulais que tu fasses partie de la promesse. I want you to be part of the maintenant, promise. Je suis fatigué. Now I'm tired. Nous allons nous séparer. We're going to separate. Si tu vas à gauche, if you go left, moi je vais à droite. I'll go right. Je ne veux plus écouter tout I ça. I don't want to hear all this. L'autre regarde. L'autre. Il voit le tour de fer. Il saute. Il voit tout de fait. Oh, London Bridge. Oh, London Bridge. Il dit, moi, je vais aller là-bas. I'm going to go there. Ah, London, London, what a London. Il part là-bas. Goes to London. Et les choses arrivent là-bas. And things get to London. Les démons prennent cet homme-là. And the devil, Il l'amène loin. Send him far. Et il est parti. And then he went. Et ces choses-là arrivent à Abraham. And those things came to Abraham. Abraham devait être content. Abraham was supposed pour to dire, to say, il jouait avec moi. He was playing with moi, je suis prophète de l'heure. I'm a prophet of the Lord. Il a eu. He got it. Ça n'a pas fait la joie d'Abraham. Yeah. Abraham wasn't happy for that. Abraham. Abraham. Ça, ce sont des armées qui sont venues prendre. Et son neveu, that was army that came to take. Abraham prend les serviteurs. Abraham himself. Qui ne sont pas des soldats. They are not soldiers. Il va risquer sa vie. He's going to risk his life. Pour sauver son neveu. To save his nephew. Et là, and then, il va y le prendre. He's going to take him. Dieu était tellement content de cette opération. God was so happy with that. Et quand il rentre, Dieu vient les raconter. Non, amen. C'est comme ça que vous parlez de Melchizedek. C'est la cause de ça. Because of il lui donne le pain et le vin. Give him bread and wine. Toi, Dieu t'a déjà donné le pain et le vin. You God has given him bread and wine. Il lui donne le pain. Tu vas dire non, le pain c'est la parole. Monsieur, le pain c'est la stimulation. Est-ce que tu as la stimulation? You have the on prêche la parole, tu es trop calme. Quand tu bois du vin, tu ne le contrôles plus. Quand la tête tourne, tu n'as plus honte. Les gens vont se demander, qu'est-ce que lui arrive? C'est le vin. Il ça te fait tourner la tête. Tu es tranquille. Tu ne t'occupes pas de tout le monde. C'est comme ça que Dieu était content. That's how God was. Il dit, je vais aller rencontrer ce homme. I'm gonna meet this man. À cause de l'amour de la vie. Because of agape love. Il lui donne le pain. He gave him bread and wine. C'est comme ça. That's how. Que nous connaissons aujourd'hui. We know today, Melchizedek. Amen. 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 Et quand quelqu'un te fait du mal, and when somebody is doing wrong to you, take your money. Tu veux qu'il meure ce jour-là. Tu vas faire une prière, Seigneur. You do a prayer, Lord. N'oublie pas que tu as dit. You said, le voleur n'entrera pas dans le royaume des cieux.
The thief will not enter the kingdom of God. Tu crois que Dieu peut écouter cette prière? You think God will hear the prayer? Dieu dit prier les uns pour les autres. God will pray for one another. Si ton frère a fait du mal, if your brother did something wrong, go and see. So vivez bien. Live good. Nous nous suivons frère Branham pour une chose que nous nous voulons. We follow Brother Branham. Nous suivons frère Branham en tout. We follow Brother Branham. Frère Branham never ever was an angry person. Même ceux qui étaient contre lui. Even those who against him. Frère Branham priait pour. Brother Branham is praying. Une fois, vous savez, une fille là. A woman, a girl. J'ai fini. I'm finished. La fille l'a dit. The woman said. Il dit, je n'enverrai pas même ma vache écouter. Le frère, he said, I won't even send my cow to my sister's brother. Tu sais ce qui est arrivé? You know what he said? La femme là était malade. The woman first said, à l'agonie, elle veut mourir. She was about to elle die. Dit, appelez-moi frère. He said, call brother. Appelez-moi frère. Call brother. On dit à frère Branham, cette fille là qui disait qu'elle n'enverrait pas son vache, elle veut mourir, elle t'appelle. The message is about to die and she's calling you. Au lieu que le frère Branham, instead of Brother Branham saying, il a parlé contre le prophète, il verra. Against the prophet, he will il va voir que je suis là, j'ai la colonne de feu. He will see that I have a pillar of fire. Il prend la voiture, he sees the car, il court, he run pour prier pour elle. To go and pray for her. Et Dieu savait que si son prophète arrivait là, and if his prophet, cette fille là s'est guérie. That woman will be saved. Il arrive, he gets, elle est déjà là. She's not. J'ai rien fait. Mais pourtant il est allé pour prier pour elle. She went there. He went there to pray for her. Si nous sommes de Dieu, if we are God, la nature de Dieu doit être. The nature of God has to be. Et nous ferons ce que Dieu a fait. And we will do what God did. Simplement ça. Simple. Que le Seigneur bénisse. The Lord bless you. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Vous avez aimé. Amen. Comment pour le Seigneur. C'était très bien que le Seigneur vous bénisse. God bless you, Pastor. En tout cas, on a vraiment aimé. We really love it. La parole, l'amour. The love. Amen. L'amour a plusieurs facettes. The love has so many faces. La colonne de la pyramide que vous voyez là, the pyramid that you see there, ça parle de l'individu, speak of somebody, et ça parle aussi de la dispensation. And also speak of the dispensation. Amen. Amen. Comme il a dit, as he said, ajoutez à votre foi la vertu, to your faith, virtue, à la vertu, la connaissance, ainsi de suite. Knowledge and everything. Mais l'amour divin, but divine love, ou bien la charité, or charity, c'est Dieu qui donne. It's God who gives it. En fait, la charité, c'est Dieu lui-même. Charity is God himself. Quand il descend, when he comes, pour habiter dans l'être humain. To live in a man. Or, si Dieu veut habiter en vous, if God wants to live in you, vous avez cet amour parfait. You have this perfect love. Donc, c'est-à-dire que vous devenez lui. It means you become him. Si vous devenez lui, if you become him, vous avez tous les attributs de Dieu. You have all the attributes of God. Donc, si Dieu est un guérisseur, if God is a healer, vous pouvez aussi guérir. You can also heal. Si Dieu est un sauveur, if God is a savior, vous pouvez aussi sauver. You can also save. Si Dieu est un juge, if God is a judge, vous jugez aussi. You will judge also. Amen. Tout ce que Dieu est, all that God is, c'est ce que nous sommes. That's what we are. Voilà, aujourd'hui, that's what today, Dieu ne nous a rien caché, nous a tout donné. God has not hidden anything to us. Amen. Giving us all, il s'est donné lui-même. He gave himself, et nous sommes devenus lui. And we become him. Vous allez voir que, and you will see that, dans tous les âges de l'Église, every churches, il n'y avait pas l'amour divin. There were no divine love. Parce que c'était du partiel. Because it was partial. Mais quand nous arrivons maintenant, but when we get to him, à la fin, to the end, de l'âge de l'Église, the last age of the church, l'amour divin descend. Divine love comes in. Cet amour divin, that divine love, c'est ça le parfait. That's the perfect. Amen. Amen. Donc quand l'amour divin descend, when the divine love comes, c'est la perfection qui est venue. Il vient annuler tout to péché. Come and destroy all sins. Et la pierre de fait, and the capstone, c'est la descente de la nuée. Is the descending of the cloud qui nous ramène la perfection. That brings us perfection. Voilà pourquoi, and that's why, la prédestination, predestination, c'est une grande chose. Is a great thing. Dieu ne sauve pas un homme après sa naissance. God doesn't save a man after his birth. Dieu sauve quelqu'un avant la naissance. God saves somebody before his birth. Donc, quand vous voyez un bébé naître, when you see a baby born, c'est soit un sauvé ou un perdu. It's either a saved one or a lost one. Amen. Amen. Donc la prédestination, predestination, c'est quelque chose que le peuple explique. It's something that we cannot explain. Le voleur à la croix, the thief at the cross, il a volé toute sa vie. He stole all of his life. Frère volé.
Frère voleur. Toute sa vie, voleur. All of his life, thief. Donc la raison pour laquelle il est monté sur la croix parce qu'il était un voleur. The reason why he was across because he was a thief. Mais là, les gens qui étaient dans la foule. The people who was there. They, vous savez ce qu'ils disaient? You know what I was doing? They were saying. Ah, ce monsieur il a trop volé. Ah, this man is stole a lot. Donc c'est un kuluna. He's a kuluna. He's a yeah. Donc ce monsieur. This man. Lui il ne peut pas entrer au ciel. He cannot go to heaven. Mais entre temps, on voit le voleur we see the thief à la croix là-bas at the cross, qui est en train de parler avec la parole. Talking with the word. Personne n'entendait ce que le voleur disait. No one was listening to what he, no one could hear what the thief was saying. Et l'autre voleur là-bas and the other thief there, a dit, he said, ah, mais si tu es le Messie, if you are the Messiah, mais sauve-toi save yourself, et puis sauve-nous aussi. Save us, save us as well. Et l'autre voleur, le prédestiné, un voleur prédestiné. A thief, a predestinated thief. La parole de Dieu est un paradoxe. The word of God is a paradox. Un voleur prédestiné. A thief, a predestinated thief. Frère, il n'a même pas demandé le salut. But he didn't ask for salvation. Simplement l'attitude. Only the attitude. D'abord, il a reconnu qu'il est un voleur. That he is a thief. Il dit, ah mon ami. He said, ah my friend. Toi et moi, me and you, on est ici we are here parce qu'on a volé. Because we stole. Mais ce monsieur, but this man, il n'a rien fait de mauvais. Has done nothing wrong. C'est un innocent. He's innocent. Mais pourquoi tu te prends à lui? Why are you against him? Il n'est pas coupable. He's not. Frère, attitude seulement. The attitude only. Jésus le regarde. Jesus look at you. Il dit toi. It's you. Ce soir, tonight, tu seras avec moi. Bah. You will be in paradise. Et ce soir-là, and that night, le monsieur est allé au ciel. The man went to heaven. Mais dans la foule là-bas, tout le monde savait que le voleur est allé en enfer. Everyone there knew that the thief is going Caïf to hell. Est parti au ciel. Caïf went to heaven. Mais le voleur est parti en enfer. But the thief went to hell. Mais pour Dieu, but for God, le voleur est parti au ciel. Thief went to heaven. Caïf est allé and en enfer. Went to hell. La prédestination. Predestination. Le frère dit ceci. Quand vous avez l'amour dans le cœur, et que tu vois ton frère dans l'erreur, and you see your brother in a mistake, le frère dit, cherchez une corde. He said, find a rod. Jette au frère, throw it pour le sortir de là, and to bring him out of it. Ne prends pas un bâton, so don't take a stick, pour l'enfoncer davantage, push him again. Il dit, le pauvre, il est déjà dans le trou. The poor man is already in the trou. Toi, tu vas encore l'enfoncer. And you want to push him in there again. Si tu ne peux pas parler à if ce frère, if you cannot speak to the brother, ne va prier pour lui. Go and pray for him. Amen. Frère, brother, Dieu n'habite pas dans un cœur condamné. God doesn't live in a condemned heart. Pourquoi est-ce qu'on veut être content de la chute d'un frère? Why do we have to be happy at a brother for? Donc, il y a quelque chose de fou dans le cœur. It means there's something wrong in our heart. Si un frère est dans la difficulté. If a brother is in a problem. Mais moi, ça me fait très mal. Me, I feel very bad. Mais je vais prier. I have to pray. Je vais méditer pour ce frère. I have to meditate for the brother. Mais si je commence à être content, if I'm still being happy, donc là il y a quelque chose de faux. Means there's something wrong. Vous savez, moi j'ai toujours dit, you know, I always said, je n'aime pas condamner. I don't like condemning. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'à chaque fois que je condamne, every time I condemn, je me justifie moi. I'm justifying myself. Ça dit que ah le frère regarde ce que so your brother did what he did. En d'autres termes, moi je suis mieux que lui. Me, I'm better. Oh ça c'est pas bien. That's not good. Frère, le jour que Jésus les gens ont condamné la femme là. The day that those people condemned those women, that woman. On a dit allez, on l'amène. Said, devant la parole. Before the word. Viens ici. Come here. On l'amène devant Jésus. Said before Jesus. Il dit, oh, maître, c'est maître. Regarde cette femme. Look at this c'est woman. Une prostituée. A prostitute. Qu'est-ce que Jésus a dit? What did Jesus say? Jésus a dit ok parce qu'ils étaient les pharisiens, ils allaient au synagogue. They were Pharisees, they were going to synagogue. Jésus dit. Jesus said. Jésus ne dit rien. Jesus didn't say anything. Il s'est mis à crier par terre. He started writing on the ground, the floor. Et chaque personne qui venait, and every person that was coming, avec sa pierre, with the stone, il arrive devant Jésus. He came before Jesus. Il regarde ce que Jésus dit. Look what Jesus wrote. Il dit toi là. He said, ce jour là, that day, avec la femme là. With that woman, tu te rappelles? You remember? Il jette la pierre. He leaves the stone and he goes. Et l'autre encore vient. And then another one. Where are you going? Là, on n'explique pas, frère. Yeah, c'est une troisième poule. C'est une troisième poule. Tu expliques, on ne connaît pas qui tu es. We know we want. L'autre aussi vient. Mais t'as le faux. Oui, oui. Il est parti. Il dit, oh, yeah, attends, mec, yeah, regarde. Jésus écrit. Jesus, right. Toi, you. Ces jours-là, on travaille. Yeah, on a vu voler les casiers de billets. Yeah.
tu jettes la pierre. You leave the stone. Ça veut dire quoi? What does it mean? Avant de condamner quelqu'un, sache que toi aussi tu as des fautes. Know that you also have faults. Donc, si tu te rappelles de ça, if you remember that, tu arrêtes de condamner. You stop condemning. Et Jésus regarde la femme. Il dit, où sont ceux-là qui t'ont condamné? He said, where are those who condemned you? Ils sont tous partis. All left. Jésus dit, et va, go, ne péchez plus. And don't sin anymore. Dieu ne condamne pas. God doesn't condemn. Dieu, c'est l'amour. God is love. Quand nous avons l'amour, nous we avons have love, Dieu. We have God. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est une affaire de prédestination. It's predestination. Même si vous voyez le frère aller dans la vallée, even if he's a brother going to the valley, si il a été déjà prédestiné, ça ne changera pas. Même s'il tombe, ça ne changera pas. Dieu ne sauve qu'une seule fois. Et puis c'est fini. Il nous a aimés. He loved us. Dès